Lincoln 27, 17. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à la vache. Ouais, c'est le grand jour. Alors c'est le grand jour. Ouais, c'est ça. On s'éclate. Espérons que tout se passe bien. Eh, votez Mélenchon. Oula, vous allez me remettre debout cette poubelle hein.
Monsieur l'agent? Oui? Je pense qu'il va falloir mettre une petite contravention au monsieur Brun derrière moi là pour destruction de biens publics. Ah. Hein. C'est la poubelle ici. Hein. Bah, non, mais... non, mais j'ai pas fait exprès, monsieur. J'ai passé à côté, elle a eu peur de moi, elle est tombée. Je pense qu'un petit rappel à la loi ne lui fera pas de mal. Non, c'est une petite erreur, c'est une petite erreur, y'a rien de bien méchant. C'est quand même un membre du gouvernement que vous parlez. Mais monsieur, il voulait jeter son papier et puis la poubelle elle a pas tenu. Hein. Regardez comme elle est musclée. C'est un peu violent. Regardez quand même, sa musculature. La pauvre poubelle elle vous a rien fait. Hein. Bon. Bon, mais je sais bien, musclé. Monsieur. Ouais. Bon, allez, il va la remettre droite et puis ça ira, non? Ce serait pas trop mal, ouais, déjà de ramasser vos bêtises là. Allez. Ah, écoutez, je vais essayer, mais j'ai des problèmes au mar en ce moment là. Alors, attendez, je vais essayer, hein, mais. Attendez, j'essaye, mais. Je suis vraiment désolé, mais j'y arrive pas. Avec les mains, on vous a dit, monsieur, pas avec les pieds pour ramasser la poubelle. Ah oui, mais j'ai mal aux mains en ce moment, alors je peux pas trop la ramasser, vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut faire avec délicatesse, comme ça, regarde. En douceur. Tu prends le contrôle de ton corps, tu réfléchis, voilà, doucement, tu te baisses, tu prends la poubelle. Ah oui, t'as l'air doué, toi. Ouais. Hop ouais. Là, tu te mets au niveau de la poubelle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et tu la ramasses, voilà, comme ça, et tu lèves, voilà. Bah allez, ça ira pour cette fois, les gars, mais la prochaine fois, faites attention. La poubelle debout, voilà, merci, excusez-nous. Ok. Bon. Bah, Itchacheu, bonne journée, hein! Ouais, bonne journée, monsieur. Au revoir! Au revoir! Eh, bonjour! Bonjour, monsieur! Eh, les gars, c'est ici qu'on vote, hein, bordel! Oh là, doucement. Ah, je fais la queue, excusez-moi! Ah, allez-y! Ah, attends pour moi! Hein. On va pas faire attendre le col médical! Ah, au fond, bonsoir, hein, bonsoir! Vous connaissez l'endroit? Hein. Bonsoir! Ouais, je connais l'endroit, hein. C'est au fond à droite! Pas, je vais déplier les tentes pour Oui, on va déployer le matériel. Bon, attends. On va attendre un peu pour vider les camions quand même. Que les gens, que la première vague soit passée. Hein. On vous le tient pas, hein, monsieur l'agent. Oui, non, je reste un peu au cas où il y a des petits débordements. Oui, pas un problème, mais... Bon, attendez. Ah mais putain, hein, appuie sur le champignon.
je te jure. Salut Kalash, comment tu vas? Beau ça. Ouais, ça va moi, ça va nickel. J'espère que toi aussi. Je sors du boulot alors. Fatigué mais ça va. Trop envie de jouer. Bah nickel si tu vas bien là. Matinale. Il y a du monde sur le serveur, ouais, il y a déjà 10-15 personnes. Après, il y a beaucoup de monde qui se connecte juste pour voter et après se déconnecte. Hein. J'ai vu beaucoup de décors quoi. Patrouille, j'ai voté pour qui? Eh ben le seul que j'ai pu voir, croiser, et qui m'a parlé, c'est Ferguson. Après j'ai vu un peu la campagne du fait de Dos Santos qui m'intéressait pas trop. Et tous les autres malheureusement j'ai rien vu de eux. Je les ai pas croisés en jeu, j'ai pas vu de campagne, j'ai pas croisé beaucoup de monde qui me parlait de ça. Après tout début quand j'étais pas encore flic et que je prenais souvent le taxi, les mecs me parlaient de leur patron, de Santos, qui voulait élire, qui augmenterait les salaires, etc. Puis sinon après j'ai croisé 4-5 fois Ferguson et Ferguson m'a l'air déjà très bien, donc j'ai envie de voir ce qu'il donnerait avec plus de pouvoir. Donc Ferguson j'ai voté. Tiens on va refaire un tour du côté du vote. Je vais pas me plaindre de Ferguson, hein. Le peu que je l'ai croisé était vraiment gentil. Après voilà, c'est les élections, tu m'étonnes qu'il ait été gentil. Quoi. Mais bon, vu que c'est le seul qui m'a vraiment parlé de son plan, etc., voilà, les autres je connais pas, donc je peux pas voter pour eux. Attends, c'est là que ça s'ouvre jamais la barrière. Allez, on va retourner en ville. Et toi, je sais plus, tu joues Kalash sur le serveur, non? Salut Punch, bienvenue à toi.
Bah ça va et toi? Sur GTA 5 roleplay, donc roleplay sur le serveur Felify, sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc j'ai été recruté par la police hier. Merci Kalash pour la réponse. Punch, merci pour ton follow. Logis-moi la notification. La notification devrait arriver. Elle a un peu de mal en ce moment. D'accord. sur PC. Sur PC, Punch. Merci pour le follow. Merci. On va retourner un peu vers le bureau de vote. On va tourner un peu plus par là. Je mets à tout le monde qui va aller. Il devrait y avoir beaucoup de monde dans ce coin-là. Journée spéciale. Merci Loulou 69740 pour ton follow. Pareil, la notification devrait arriver dans peu de temps. Elle a du mal ce matin. Et là voilà. Merci. Ça c'est stylé, regarde ce qu'ils font. LOL.
C'est stylé. Tu stream jusqu'à quelle heure? Je tape toute la matinée, plus toute l'après-midi, donc je vais streamer un bon moment. Sauf si je me fais niquer le slot au reboot de 14h, mais logiquement ça va toute la journée. Bonjour. Bonjour monsieur l'agent. Ça va, tout se passe bien? Oui, pour le moment tout se passe bien. Ok, super. Ah ouais. Il y a du gros effectif de médecins ici. Pourquoi vous avez prévu qu'il y ait pas mal de morts? Ah, vous ouais, savez, les débordements arrivent vite hein, dans ce genre de choses. Ah, c'est clair. De vous à mort, vous avez prévu un attentat ou pas? Ça va être drôle. J'espère pas, parce qu'on est que deux médecins quand même. Ça sera un peu juste. Bah, ça va, on a monsieur le cadet avec nous. Je connais pas trop son nom. Ah, on est protégé là. Vous êtes un nouveau cadet hein? Ouais, récemment arrivé. J'ai beaucoup aimé le agent. La rallonge. Ouais, le doute. Comment j'ai pas entendu avec toi? Ça fait plaisir, ça met en confiance quoi, tout de suite. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas trop quoi dire. Je voulais juste prendre votre nom pour connaître. Mon nom c'est Jack White. Jack White, d'accord. Très bien, moi c'est infirmier Smith. Ok, enchanté Smith. Ça se peut qu'on. Oui, ça se peut qu'on se croise assez souvent. Il y a des grandes chances, oui. Bon, ça va, ils sont assez calmes là-bas. Pour le moment, oui. Il y a eu un petit débordement quand on est arrivé. Il y avait un de nos collègues qui était par terre, on ne sait pas trop pourquoi. D'accord. Voilà, on l'a réanimé, il n'y avait plus de soucis. Bon, de toute manière, j'ai d'ailleurs, il est reparti. J'ai pour ordre de passer régulièrement dans le coin afin de vérifier que tout se passe bien. D'accord. Ah, nous, on va rester sur place pour être. Enfin, on va alterner s'il y a un de nous qui part en intervention, mais on va essayer de rester un maximum sur place au cas où pour être directement là s'il y a un souci. Hein. Oui, vaut mieux, surtout qu'il va y avoir pas mal de grosses têtes qui vont venir dans le coin, je pense. Oui, c'est ça. Puis après, quand va venir le président et les autres candidats, ça va être un peu mouvementé, je pense. Ouais, vous savez pas s'ils ont prévu un horaire spécial Non. D'accord. De toute façon, nous, on a une page horaire différente pour chacun de nous pour aller voter, et normalement, on devrait être présent sur quasi la totalité de la journée. D'accord, c'est super. Moi, vu que je suis tout seul pour le moment, je dois continuer de patrouiller, mais n'hésitez pas, si vous voyez que ça commence à être un peu le bordel, n'hésitez pas à me faire un petit appel. Oui, bien sûr. Je marquerai LSMS dans le message pour indiquer que c'est bien nous, hein, les médecins. Oui, bien sûr, entendu. Bon, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon courage. Ouais, bon courage aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Alors, salut Martine, salut la Pizza TV, bienvenue à vous. Donc ouais, merci Kalash d'avoir répondu. Logiquement, j'ai installé une commande, je ne sais plus son pseudo. Logiquement la commande c'est ça. Non, loupé, j'ai mis serveur entièrement. Loupé, donc ça veut pas fonctionner, d'accord. J'avais mis une commande pour expliquer ça. Je vais la vérifier. On va la vérifier. Ok, ça c'est bon. Ok. Je peux te faire les commandes si tu veux. Logiquement, elle fonctionne celle-ci. J'en ai fait qu'une pour l'instant. Ah ouais, mais attends. Comme un connard, regarde. Ça va être ça. Même pas, putain, what the fuck? Bon? Pourquoi elle prend pas en compte cette commande? Bon. Bon, tant pis pour la commande. Je vérifierai. J'en fais jamais d'habitude. Mais... Oh putain! Ah!
braquage de supérette. Je sais plus ce qu'on m'a mis, le Westbot ou le Movebot, c'est plus. Je regarde après. Oh putain. Bon PNJ quoi. J'ai une cacahuète comme bagnole de flic. Ici le LSPD. Sortez les mains en l'air. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un. LSPD. Je crois qu'il est parti en fait. Yep, il est parti, il est parti. Alors est-ce qu'il a eu le temps ou pas? Je sais pas, je pense pas que ça fait plus de 2 minutes, j'ai pas mis il est pas activé alors, ouais ça se pourrait, ouais. Bon. Petite alarme dans le coin. Il y avait personne. Je sais qu'il faut 2 minutes pour braquer une supérette. On n'a pas mis 2 minutes à venir. Je pense qu'il s'est barré avant. Il a dû entendre les sirènes. Après tu vois, je suis tout seul donc je préfère faire péter les sirènes. Je préfère faire péter les sirènes que... Bah c'est pas que je l'ai perdu, c'est qu'il a dû se barrer. Il y a une putain de hype autour de ce serveur mode. Comme tu as eu le privilège d'avoir... Comment tu as eu le privilège? C'est très restreint apparemment. En fait avant, moi ça fait plus de 2 ans que je suis Kamak. Et que je suis abonné à sa chaîne. Et direct quand il a sorti le projet, bah, j'étais dans les premiers à me whitelister, à participer au stress test, etc. Donc j'étais dans les 80 premiers inscrits, tu vois. Sauf que là on est passé à une whitelist de 300 personnes. Et donc c'est autre chose quoi. Faire un peu le tour des supérettes au cas où qui s'amusent. Logiquement ça met une demi-heure à se remettre. Donc comme on a dépassé les 300 personnes inscrites dans ce genre, ils ont décidé d'arrêter de whitelister des gens. Parce que 300 personnes pour 24 places, c'est pas évident. Je pense pas que je l'ai perdu, tu vois, je pense qu'il s'est barré avant la fin de son braquage. Ouais c'est ça, 300, plus de 300 pour 24 slots. Le matin c'est assez facile de se connecter, il y a peu de monde qui joue. Par contre, dès que c'est le début d'après-midi, le dimanche c'est même pas la peine. Le soir 21h, c'est au petit bonheur la chance. Donc c'est pas évident. Tu vois, on n'a pas mis plus de 2 minutes à venir sur site, donc je pense que la personne s'est barrée avant de terminer le braquage. Bon, on va faire un peu le tour des supérettes. Logiquement, quand quelqu'un fait un braquage, il faut une demi-heure, un truc du genre, avant qu'il puisse rebraquer de nouveau. Bon, on va faire un peu le tour. Bah, des fois sur ce genre d'intervention, on est mieux à y aller sans les sirènes. Sauf que là j'ai assuré le coup, je suis tout seul. Donc pour le peu que les mecs soient 2-3, je préfère les faire fuir, qu'ils arrêtent de braquer.
et qui repartent sans rien, que de d'y aller, de me faire buter comme une merde et récupère ce que j'ai sur moi, plus les flingues dans la voiture de flic, etc. Ça partira en cacahuète. On retournera vers le coin du vote parce qu'il va y avoir de l'animation, je pense, par là. Voilà, voilà. T'as l'habitude du RP, genre Dark RP, tout ça? Du tout. Merde, je vais peut-être ranger ça, moi. Du tout, c'est ma première expérience RP ici. Merci pour ton follow, Martinez, ça fait plaisir. Mais ouais, première expérience RP, c'est le serveur qui m'a fait décider de m'y mettre. On va prendre le stock parce que j'aimerais bien éviter qu'on revienne assez souvent. Parce que vu qu'on est tout seul, ça va être un peu la merde. Oh, ça va. Putain, je l'ai bien arraché la voiture en allant sur la table. On va retourner sur l'endroit de vote. Je vais penser aussi à faire ça. Alors, j'y mens. Ça. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Autorisé, oui. Alors, je check un truc vite fait. Je m'en fous de ça, moi. C'est ça. Bon, vous savez quoi, je verrai à mon prochain stream, parce que là sinon on va perdre du temps pour rien. On va perdre du temps pour rien. Bah la vache, ça doit être trop cool d'être sur un serveur restreint avec des mecs connus, moment et qui jouent. Bah c'est pas trop pour eux qui jouent à un moment et tout, je m'en fous un peu. C'est plus Kamak. C'est plus Kamak, après il serait pas là, ce serait la même chose pour moi. Profite et kiff, y'en a pas mal qui voudraient à ta place. Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr que c'est des grosses têtes du RP et tout, hein, mais moi à la base c'est juste pour Kamak et la communauté, surtout les Feli, que ça fait plus de 2 ans que, bah, qu'on parle dans le chat, etc. Ils sont super, belle mentalité, et ça peut être que du bon, quoi. Salut les gamers, merci pour ton follow. Y a la notif qui devrait arriver dans pas très longtemps, elle a un peu de mal en ce moment.
Alors tu cherches quoi? Je me battais avec mon Wisebot sur la, le dashboard, mais j'ai laissé tomber, je verrai ça plus tard. Sinon dans le jeu, on vient d'intervenir sur un braquage de super-héros. Voilà. La notif qui met du temps à arriver, il va falloir que je règle ce petit souci. Et sinon dans le jeu, bah, je faisais un peu le tour des super-héros, d'une pour faire le stock pour moi, et de deux parce qu'on on est intervenu sur un petit braquage juste avant. Je pense qu'il s'est barré avant. Il a pas eu le temps de finir, je pense, parce que ça met 2 minutes si ça n'a pas été changé. Et j'ai pas mis 2 minutes pour y aller, quoi. Je peux te dire. Non, mais c'est gentil, Kalash, mais je verrai ça quand le stream il sera coupé, parce que là, gérer ça et tout, bordel. Ça va être la chiant. Au fast, bienvenue. Je suis sur le serveur Faily 5, sauf que le serveur n'est plus accessible. La whitelist est fermée. Ouais, je sais, faut que je le mette, faut que je lui dise slash mode, mais après, faut que je m'occupe des configs. Je l'avais retiré parce qu'il avait bugué un soir. Je l'avais dégagé des modos parce qu'il avait bugué un soir, et je crois que depuis ce temps-là, il m'emmerde. Et j'avais toujours dit qu'il fallait que j'y retourne dessus. Après, j'espère que c'était pas trop une diversion. C'est vous les racailles. Ouais, je sais, faut que je le remette en modo, je l'avais dégagé. Et j'ai pas pour seul en fait. Merci pour ton follow au fast, merci à toi. J'espère que c'est rien de grave. Qui a accéléré tout seul, pourquoi pas. Merci pour les follow, Luzi Gaming, merci à toi. Il y a un nombre limité de flics, il y a des prérequis pour être flic. Exactement, Martinez, il y avait une séance de recrutement, on a tous envoyé nos comment je pourrais dire ça, les CV. Et ils nous ont fait remplir un document, ils ont fait un tri, ils en ont sélectionné certains. Et voilà, après là, le recrutement pour le moment, pour la police, est terminé. On tourne un peu vers le comico. Recrutement police est terminé. Non, on va aller voir les pêcheurs, tiens. Recrutement police est terminé pour le moment, ils referont des sessions un peu plus tard. Ils ont pris en fonction de la disponibilité pour avoir, bah, genre là, moi je joue le matin.
monde va être emmerdé par eux, on va plus pouvoir passer. Rentre dedans, connard. Oh, t'es sérieux? C'est bon, au passage, si besoin de modo, je suis là. Ok, ça roule le gamer. Et si ça te saoule et que tu veux te mettre à miner par exemple dans la journée où ça fait partie du contrat de rester flic? Ah, ouais, quand tu t'engages flic, tu t'es flic, hein. Et en même temps, il y a tellement de trucs à faire en tant que flic que tu y restes, quoi. Merci pour la proposition les gamers, bah, pour le moment j'ai pas de modo spécialement, mais je vais y réfléchir au fur et à mesure si ça continue à y avoir pas mal de monde comme ça. Je vais y réfléchir. Mais pour le moment c'est pas dans les petits papiers. Oh, t'es sérieux? Je touche jamais, quoi, putain. Tu as des consignes particulières pour aujourd'hui? Salut Yoshi Pops. Pour aujourd'hui, c'est patrouiller. Bah, vu que je suis tout seul là pour l'an ce matin, c'est patrouiller au niveau de la zone de vote. Salut Doc Druid. C'est patrouiller au niveau de la zone de vote de temps en temps et rester un peu dans la ville parce que j'ai pas forcément la bagnole faite pour pouvoir aller loin et revenir très vite. C'est pas la meilleure des voitures, je suis cadet, c'est le tout premier grade du policier. Tu devrais pas manger. Ouais, faut que j'ai ce qu'il faut sur moi. L'essence, on va voir après. Je vais finir mon petit tour par là et après je m'en occupe de l'essence. C'est vrai que ça va devenir fatigue. Ludzy Gaming, à mon avis, il fait sonner chez Ginette pour que ton pote fasse de l'illégal tranquille. Ah ouais, mais après je suis tout seul donc voilà, moi j'ai reçu des consignes. J'ai pas encore eu accès au dossier de l'illégal, mais on va voir. On serait plusieurs, on pourrait, ben voilà, on est là tout seul ce matin, ça va être compliqué. Mais on est là, on fait un peu le service. Si t'as un accrochage avec si peu de vie, ça va être compliqué. Non, ma vie va bien, hein. C'est pas les barres de vie que tu vois, ma barre de vie c'est la barre verte en bas. Elle va très bien. Qui est-ce qui est là? On va faire un tour, on va manger, boire. Je suis modo de 15 lives. Mais dis donc, le gamer, tu trouves le temps où, merde? C'est moi, putain. Alors, à qui appartient cette petite voiture sans permis? Elle appartient à Luciano Santini. Luciano Santini, il était en train de pêcher. J'entendais une voiture. Voilà, c'est vite. On va se prendre un petit casse-dalle. Qu'est-ce qu'il fait à courir comme ça? On va aller voir un temps. On va aller voir un peu.
Je suis compétent moi, bah je vois ça j'espère, si t'es sur 15 live. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Et bonjour, tout se passe bien? Ah oui, oui, on s'est croisé tout à l'heure, non, je pense. Ah peut-être au niveau au du bureau de scrutin. Oui, voilà. Ouais, exactement. Alors ça y est, vous avez fait votre devoir? Pas encore en fait, parce que pour être honnête avec vous, c'est un peu gênant, je ne connais vraiment pas les candidats. Donc j'essaie d'avoir le plus d'informations possible aujourd'hui, de parler avec le plus de gens possible pour me faire une bonne idée et voter avec ma tête. Ah, vous avez totalement raison, c'est ce qu'il faut faire. Oui, vous avez peut-être une suggestion pour moi en tant que, justement, officier de la loi comme ça, là. Ah, bah moi, moi personnellement, voilà, Monsieur Ferguson ne nous a pas déçus depuis qu'il est à son poste. Donc, moi, je suis pour qu'il reprenne un nouveau mandat. Mais après, voilà, faut voir un peu tous les autres candidats. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler trop des autres. Malheureusement, c'est pas évident de les voir, hein. Non, j'avoue, j'ai rencontré aucun des candidats d'ailleurs, même si j'ai fait mon mieux. Ça semble se jouer entre Ferguson et Dos Santos, si je comprends bien, du moins. En tout presque cas, tout le monde ne m'a conseillé qu'un de ces deux-là. Ouais, en tout cas, c'est les deux grosses têtes, voilà. Mais après, il faut s'intéresser quand même aux petits candidats, on sait jamais ce qu'ils peuvent apporter, ils sont peut-être mieux. Leur donner leur chance. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est les deux grosses têtes en liste, j'ai l'impression aussi. Ouais. Parfait, selon vous, Ferguson, c'est le choix le plus. Le plus sensé Du côté de la loi, oui. Moi, au niveau du service de police... Oh, d'accord. Non, mais quand je parle au niveau de la loi, c'est au niveau du service de police. Il nous gâte, quoi. Le matériel est là, on a l'équipement pour travailler. Donc, nous, on en est content, quoi. Après, je ne sais pas si Dos Santos avait une politique pour la police ou pas, je ne sais pas. D'accord, d'accord. On est moins au courant de ces politiques. Et voilà. Bah après faut prendre le taxi, parler un peu avec ses chauffeurs, je pense qu'ils vous feront un peu de pub pour sa campagne. Vous pourrez vous faire une idée, je pense. Tiens, c'est pas fou, je pourrais... Ouais, effectivement, je pourrais prendre le taxi, une petite séance de taxi, discuter avec les gens, demander un peu qu'est-ce qu'ils pensent de leur patron. Ah, j'y avais pas pensé. C'est ça, ouais, bah je pense que c'est les premiers à avoir été au courant de la politique de Monsieur Dos Santos, quoi. Bon, bah sur ces petits conseils, je vais vous laisser tranquille, travaillez bien en tout cas. Et passez une bonne journée. Hein. Absolument, merci, bonne journée. À la prochaine. Quel est votre nom, officier? L'officier Jack White. Enfin, le cadet pour le moment. Jack White, parfait. On va pas s'emballer. Cadet, ah, oh, parfait. J'espère. Jack White. Exactement. Allez, bonne journée. Bonne journée, à la prochaine. J'aime bien faire un peu le tour. Il y a du monde quand même à la pêche, hein. Ça sert à rien de forcer. De forcer. Il fait quoi lui? Bonjour. Tout se passe bien? J'ai un petit coup sur la joue, hein. Ça réveille. Ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vaut cet acte de violence? Bah, excusez-moi, j'ai eu un petit peu d'arthrite dans ma main et j'ai tapé monsieur sans faire exprès. D'accord, ça va vous monsieur? Pas trop mal? Ça va. Okay. On se connaît lui et moi. Il devait viser mon épaule et il a visé mon visage par accident, je pense. Il y a un peu de mal avec ça. Ok, entendu. Donc tout va bien, c'est bon pour vous? Bah, mais en même temps, regardez, il a un nom de femme! C'est pas de sa faute! À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le taper un petit peu! Bah, va falloir calmer ses pulsions, hein, monsieur. Hein. Va pas falloir l'abîmer, votre ami. Et attendez, je peux pas avoir un ami fan de Pikachu? Regardez-moi ça, ce pantalon là! Vous avez vu ça? Regardez-moi ça! C'est pas beau! Hein. Ah, bah, ça, c'est les goûts, les couleurs, hein. La jeunesse, c'est pas le même temps que vous, hein. Pour dire pareil de votre pantalon. Comment ça? Je suis pas très fan des pantalons comme ça à carreaux. Mais il est très beau mon pantalon, qu'est-ce que vous dites? Bah c'est ce que je dis, chacun. Regardez mes chaussons. Regardez mes chaussons. C'est des sacrés pantoufles, hein. Et dedans monsieur, c'est les chaussons d'un bus. Les chaussons d'un bus.
Bon, eh bien, messieurs, je vais vous laisser. Et faites attention à vos gestes, hein. Ah bah c'est à lui de faire attention. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Doug Druid, tu parles de moi, je crie. Tu m'entends trop fort. Tu pourrais peut-être baisser le micro si tu veux, mais non, je parle normal. Après, c'est peut-être le vieux, ouais, qui gueule. Je pense que tu dois dire ça pour le vieux. Allez, on va retourner faire un tour vite fait. L'essence, on va se faire niquer. C'est spécial là. On en refera un tour, on va pas rester là. Ah d'accord, ok, je me dis merde. Mais c'est vrai qu'il a son micro fort. Après, il faudrait que je baisse le son du jeu, etc. Après, c'est un papy, hein, il s'entend pas trop parler. Du coup, il pense qu'on l'entend pas, mais il gueule, hein. T'entends pas très fort. Vous m'entendez pas très fort? Moi c'est bizarre que vous m'entendiez pas très fort. Logiquement vous devez m'entendre normal. Après c'est peut-être à cause du son du jeu qui est trop fort, je peux le baisser, pas de soucis. N'hésitez pas à le dire. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder mon replay d'hier pour voir les paramètres de son avec le jeu. Toi, ton micro est doucement, donc on a le son assez fort chez nous. D'accord. Mais le vieux, c'est un streamer. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Après, je fais pas le tour des autres streams. Enfin, si quand je joue pas, je regarde un peu, mais dès que je vois que c'est l'illégal ou autre, je ne regarde plus parce que j'ai pas envie que ça m'affecte dans mon RP. Tu sais que les deux avec qui tu étais, ils sont en train de stream aussi. Vous stream vous trois en même temps. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui stream, etc. Qu'on ait un peu toutes les facettes des métiers, des actions des joueurs et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir les follow, je suis sûr qu'ils sont bourrés de talent et qu'ils sont tous sympathiques à voir. De l'essence avant de tomber en rade. Merci pour ton follow Verati Street. L'animation devrait pas tarder à arriver, mais en ce moment elle a un peu de mal. De toute manière, là au reboot, ou je sais pas si j'arrêterai un peu avant le reboot et je reprendrai juste après. Je vais toucher à ce wisebot ainsi que à mes animations. Et voilà, Abdelzup, bienvenue à toi. Ça, il y a les actions. Eh, Verati Street, lave-la ton animation. Bienvenue à toi. C'est plus rejoint, voilà. Merci Kalash. Le serveur a dépassé les 300 personnes inscrites pour un maximum de 24 joueurs connectés en même temps. Donc ça commence à faire beaucoup et ça devient impossible de rejoindre le serveur à certains horaires. Donc ils ont décidé d'arrêter de whitelister les gens pour le moment. Quand des slots supplémentaires seront mis, ils continueront peut-être le waitlistage, mais là pour le moment ils ont stoppé parce que sinon. T'as la voiture à fond. Oui, il était de tomber en rade avant. J'espère qu'on va pas m'appeler là parce que je suis obligé de mettre de l'essence, donc j'espère pas y avoir d'appel. Du moins urgent. Putain, je suis trop con, j'ai mis. Putain. Le mec le plus débile au monde, les gars. Je mets ce point là, mais non, c'est vrai que c'est. Le QG de la pompe. Triple français.
Bah c'est peut-être des trucs belges, on ne sait pas. Je crois que c'est des Belges qui disent ça des fois. On ne sait pas. J'ai déjà entendu ça, hein. C'est vrai que tu trouves quelqu'un qui fait des choses illégales pour un peu d'action. Bah oui, oui, mais bon. Là, on est le matin, hein, faut pas l'oublier, y a pas grand monde. Beaucoup de gens se connectent simplement pour. Comment dire? Pour. Pour voter. Bah, au champ de weed, je suis pas censé savoir où il est pour le moment. Les spots ont été reset. Les spots ont été reset et du coup faut refaire l'enquête, retrouver des gens, rechoper des gens et les faire cracher pour savoir où c'est. On peut pas faire comme ça, tiens je vais aller voir le champ de weed parce qu'on m'a dit où il était. Non, ça marche pas comme ça. Rafale44, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc, on avait dit, on va faire un tour sur le parking des votes. Oui, bah justement, on n'est pas. Salut, SingVXVZX. Oh là, SingVZX. Bienvenue à toi. La petite animation pour Rafale. Non, les chants sont plus au même endroit, ils ont été respawn en fait dès que. Dès que la police trouve tous les points d'un truc, ecstasy, weed, et bien les ennemis lancent une commande qui reset les localisations. Donc ça change. Voilà, voilà. Sinon oui, j'ai voté au fait Vera District. Excuse-moi, j'avais pas vu ta question. Et voter c'est ici en fait. Mais les lieux de revente restent le même. Non, tout change. Merci pour le follow, Trisotard. Salut, je parle pas beaucoup dans le chat car j'ai une attelle au bras et sur tel c'est chiant. Mais bon courage à toi, Rafale. J'espère que tu vas te remettre assez vite du souci que tu as au bras. C'est pas évident en effet. Comment ça s'appelle? D'où je veux. Non, tout change. Lieu de revente, lieu de. Ils nettoient leur bagnole. Ils sont rien con. Pourquoi pas? Donc alors, j'ai loupé pas de questions, c'est bon. Sinon plus loin. VZ, pas grave. Ok d'accord, singe. Plus loin VZ. Oui singe VZ, j'avais pas fait gaffe au truc, pourquoi j'ai voulu me compliquer la tâche. Donc ouais, là tout a été reset, les emplacements. On va retourner vers le Comico, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Tout bien, le gouvernement qui gère ici, moi je passe seulement au cas où il y a un petit souci. J'ai voté pour qui? J'ai voté pour Ferguson. Parce que c'est le seul qui est venu vers moi avant que je sois flic. Et quand je suis devenu flic aussi, je l'ai croisé pas mal de fois. Et bah, franchement, il fait un bon taf, il est cool avec nous. Et les autres, je les connais pas trop. Donc, vu qu'ils ont pas trop fait de campagne, bah, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, j'ai voté Ferguson. Si, comment les trafiquants trouvent les nouveaux? Eux, ils l'ont direct marqué sur leur carte de nouveau. Non! En fait, ils reparlent au docteur. Le mec qui donne la première info gratuite là, qui donne le lieu de récolte, et puis après il se démerde, il retrouve l'endroit de vente et de traitement. Et ouais voilà, ils doivent acheter les infos comme que là je dis. Stazy, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Au Doc JR, voilà, pourquoi je disais docteur. Au Doc JR. Puis bon ben c'est bien logique que voilà, je suis flic, je vais pas aller au Doc JR dire dis-moi où est-ce que c'est l'emplacement et puis y aller quoi, c'est pas du tout RP quoi. Depuis quand le mec va vendre ça à un flic quoi.
connais Mila, un mec sur le GTRP. Je l'ai déjà croisé, ouais. J'ai déjà croisé une fois. Au niveau des pêcheurs. On m'énerve à pas avancer. Fallait voter Dos Santos, il semble clean. C'est pas beau de rire comme ça, non mais bon. Ah ok, je croyais que c'était un joueur qui vendait les infos. Non non, c'est... Bah après les joueurs peuvent se vendre les infos hein. Le mec il va parler avec un gars, viens on s'associe et tout machin. C'est faisable ça, tout est faisable et au contraire c'est bien si ça se fait comme ça. Si ça se fait comme ça c'est bien. Mais les joueurs peuvent vendre les infos. Voilà, c'est ça. Dos Santos clean. Ah, bah, c'est vrai qu'il y a une grosse enquête sur Dos Santos là. Kamak a rassemblé pas mal de preuves. C'est assez chaud leur histoire, mais bon, ça concerne plus le service du soir. Le service du matin, on n'a pas affaire aux mêmes gens. Comment on peut le rejoindre? On ne peut plus, l'UW. On ne peut plus. La waitlist a dépassé les 300 inscrits. Et ils ont donc décidé de fermer l'inscription à la waitlist. En attendant, parce que plus de 300 inscrits pour 24 places, c'est horrible pour se connecter. C'est horrible. Razna Patriga est l'homme le plus dangereux aux hommes de la ville. Je le connais pas, donc on verra si un jour je le croise. Salut collègues. Bon PNJ, t'es. On va se mettre au niveau des vestiaires. Je vous abandonne 10 petites secondes, enfin une petite minute à peine. Je reviens. N'hésitez pas à me dire quand je vais revenir si j'ai loupé un appel, quelque chose. A tout de suite. Heureux. Alors, il a détruit une ville entière. Pourquoi pas. Merci Raphaël pour ton follow, ça fait plaisir. Alors, je reprends vite fait la conversation. Ils sont pas prêts à le voir. Ok. Mais Kamak il a du fun à jouer parce qu'il peut tout savoir. En fait non, Kamak il est pas au courant de tout hein. Il y a des développeurs qui développent des trucs. Après il est au courant de trois petits trucs. Mais après il a pas les spots en fait. Ils sont générés par les modérateurs. Lui il a pas l'info en tant que capitaine. Il a pas l'info. Le matin il y a pas beaucoup de trucs à faire car il y a pas beaucoup de monde. C'est un peu ça. Bon, j'espère que j'ai pas loupé d'appel. Les gens vont me gueuler dessus sinon. En même temps je suis tout seul, je fais ce que je peux. Salut, je suis le boss du 91. Bon, on reconnaît que j'ai un peu frotté la peinture. J'espère que le capitaine y dira rien. On va aller faire un tour du côté des mineurs.
En ce moment, apparemment, il fait un peu de la merde. Hey, merci pour ton follow, je suis le boss du 91. On va aller faire un tour là-haut. Je peux t'envoyer un message en privé si tu peux, un message privé. Oui, j'ai vu ton petit smiley en message privé, donc y a pas de soucis. Si tu veux, tu peux envoyer un message en privé. Aucun problème. Vas-y, vas-y. Essaye de speeder un peu sur l'autoroute. Je me dépêche parce que j'ai la voiture de cadet et la voiture de cadet c'est pas le truc le plus rapide au monde. Donc vu que je vais aller faire un tour du côté des mineurs, bah, si j'ai un appel dans Los Santos, on est mal pour y retourner. Ouais bah envoie un message, j'ai juste vu ton smiley, c'est tout ce que j'ai reçu. Merci pour ton follow singe. J'ai deux écrans Rafale, pourquoi? Merci tonton Must91 pour ton follow. Merci beaucoup. Deux écrans pour le moment, deux. Je m'en vous avez la description de ma configuration un peu plus bas dans le channel. Hop là. Esquive. Juste en bas du channel, vous avez tout ce que j'ai dans le PC. Quoi. Ok, Kalash, pas de soucis, vas-y. Bon. Salut Verati, re. Fais-tu 5M? Ouais, on utilise 5M pour passer là-dessus. Comme ça. D'accord, ok. Seul ce matin? Ouais, Baboulo, oui. Pour le moment, je suis seul à être connecté. Mais bon, on essaie d'assurer un service minimum. Et oui, alors, criminel, ils ont reset le truc et donne pas des infos hors RP comme ça, surtout sur un stream police ou sur n'importe quel stream. Évite de donner des infos HRP. Ça sert à rien. C'est pas méchant, hein, mais. Voilà, je vais pas en prendre compte, même si on avait l'information avant, et que du coup vu qu'on a eu tout, la police a eu vent de tous les points de revente, traitement et tout de cannabis, ils ont tous été reset en fait. Dès que la police est au courant de tous les points, c'est reset. Mais ne donne plus d'informations à HRP, parce que personnellement moi je sais ne pas en prendre compte. Voilà, tu me le dis en tant que Ilius, voilà, je l'ai vu moi, mais Jack White lui n'est pas du tout au courant. Après, s'il attrape un mec avec de la weed et que le gars lui dit ouais, je l'ai eu à tel endroit, bah là il sera au courant. Oui, j'ai déjà voté Aspirine, bienvenue à toi. J'ai été voté dès le début, comme ça je suis tranquille, je peux patrouiller et de temps en temps je vais au coin de vote. D'ailleurs, on va souvent y passer au bureau de vote pour vérifier que tout se passe bien. Apparemment, il y a des grosses têtes qui doivent arriver dans la journée. Des grosses, grosses têtes. On va faire un tour au Pôle emploi et après, on ira au bureau de vote. Je sais, c'est pas évident le matin, mais... Il y a quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. C'est ça, c'est comme si c'était une fausse info. Réponds au message en privé. Ok, d'accord, Kalash. C'est cool qu'il y ait un mode comme ça sur GTA car j'adore gagner un appel.
C'est un rassemblement des deux. Ouais, en fait, c'est même pas un mode, c'est le serveur qui est un peu modifié. Y a rien à télécharger, tu joues au jeu classique, tu télécharges juste 5M et tu te connectes sur 5M. Et voilà, t'as différents serveurs que t'as. Ouais, les gamers, tu peux me MP, y'a pas de soucis, allez-y, les gars, si vous voulez me MP. Après, je vais pas vous répondre tout de suite tant que je suis en live, mais ce midi, pendant la pause, ma pause de ce midi, je vous répondrai, d'accord? Même toi, Kalash, je réponds à Toucha. Toucha. Oh là là là. La fatigue, j'ai bossé toute la nuit, les gars. Je réponds à tout ça juste après la fin du live ce midi. Et on reprendra le live début après-midi. Bah, 14h. Hier, j'ai fait du deux roues avec cette voiture sur 5 mètres. J'ai cru que j'allais la tuer. On s'en est bien sorti. C'est possible de te remettre en civil? J'ai pas du tout envie de me remettre en civil. Je veux rester policier, moi. Surtout que je viens d'intégrer les forces de l'ordre hier. Merci Aspirine pour ton follow, ça fait plaisir. Merci, merci, merci. On va boire un coup. Oh, si tu le souhaites, le gamer, hein, si tu le souhaites, y a pas de soucis. Allez-y, allez-y, allez-y. T'es chaud, tu vas au Pôle emploi en code pour voir. C'est magnifique, Giro. Tu vas au Pôle emploi en code pour voir, c'est magnifique, Giro. Ah, tu veux voir les magnifiques Giro. Oh, tu les verras, t'inquiète. Hein. Par contre, ils sont réservés les slots. Non, y a juste 3 slots réservés à la police. Pour qu'il y ait au moins 3 policiers et un slot au médical et tous les autres, les 20 autres slots. Du coup, j'ai plus l'info parce que ça a été dégagé. Merci pour ton follow, Honorbound. Merci, merci, bienvenue. Donc, je disais, ouais, il y a 20 slots open à n'importe qui. Un réservé au corps médical, donc le mec qui a le métier médical a un slot réservé. Et 3 réservés pour les flics. Mais je crois que ça saute à cause du spam que les joueurs font pour se connecter. L'algorithme qui permet de gérer ce truc là saute et du coup ce qui fait que ça bug les slots réservés. Putain, il roule vite le camion là quand même. Ça bug les slots réservés et du coup bah, des fois tu t'en retrouves sans police quoi. Merci pour ton follow, l'animation devrait suivre. Comme je le répète, t'as un peu de mal en ce moment. C'est pas évident. Blabla. Donc là, la mission de ce matin, vu qu'on est tout seul, on patrouille du côté de Los Santos. On regarde un peu le chemin des mineurs. On patrouille pas loin du bureau de vote pour vérifier que tout se passe bien, donc on y passe de temps en temps. Ça va être beaucoup de patrouilles, je suis désolé, hein, ça, tant qu'on va pas nous appeler vote, ça va pas être un truc de ouf. À Kalash, je pense que ça va se faire hein, pour ton MP. PNJ des fois qui se rabattent. Et ce qui est chiant, c'est que vu que je suis tout seul, on peut pas mettre de trucs en place un peu spécial, tu vois. Je suis obligé de patrouiller et de tomber sur le fait de certains trucs et tout. Mais là, on va aller au bureau de vote, contrôler un peu les véhicules avec lesquels les personnes viennent voter. On sait jamais, on pourrait tomber sur une surprise. Vitesse, monsieur l'agent. Comment on peut aller sur GTA 5 RP? Sur 5M, tu télécharges 5M, tu l'installes, après il va te demander où est ton dossier GTA, tu vas lui dire, tu le lances le 5M, et
comment ça s'appelle. T'auras une liste de serveurs, il y en a certains DRP mais pas aussi poussés que celui-là. Je crois que celui-ci doit être le premier dans son genre en fait. Go contrôle radar, on peut pas pour le moment. Enfin, on a l'outil mais on l'utilise pas parce qu'il contrôle que les voitures IA. Il ne flash pas les voitures joueurs, donc ça n'a aucun intérêt. District. Ouais mais voilà, je dois me dépêcher, je suis tout seul, je peux pas être partout donc j'accélère un peu. Merci Hugo pour ton follow, l'animation qui va suivre bientôt. Voilà. Elle a de la latence l'animation, va falloir que je m'en occupe. Donc voilà Kalash pourquoi je fais pas de contrôle radar, c'est pas encore en place pour elle est gentille, elle va dégager autour de ce point. C'est quoi le F sur la map ou les autres lettres? Alors il y a beaucoup de trucs, je vais vous montrer ça, on va se garer au pôle emploi. Je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas la carte de Faily 5. D'ailleurs logiquement j'avais téléchargé la map en Google Maps, donc il y avait le nom des rues, la zone... Ça c'est un camion de fermier. Donc il est pas censé être là comme ça. On va faire un petit contrôle à la plaque d'immatriculation. Alors, à qui ça appartient? Patraf Berlouf. Patraf Berlouf. Ouais, le FBI. Comment il s'est garé lui? Mais complètement, c'est pour ça que je viens. Ça a rien à foutre là, quand même. Pareil. On va faire un truc. On va voir avec les dépanneurs s'ils peuvent me le dégager. Je sais pas s'il y a un dépanneur. Aucun dépanneur en service. Bon, c'est fait. On va devoir le laisser là. Par contre, c'est pas une zone de stationnement, donc on va lui mettre une amende pour stationnement gênant. Je vais me noter ça. N'oublie pas d'aller mettre ton argent en banque. Oui, faut que j'y aille de temps en temps. Bon, bah du coup, après il a peut-être eu une déco. Hein. Je sais que des fois tu te fais déco sauvage et du coup bah, le véhicule il reste là. Et... on se renseignera. Mais. On verra bien. On va voir si on le croise au pire, on verra bien. Je vais vous montrer la carte, on va se garer au pôle emploi. Essayer de le trouver le Patraf Berlouf pour lui mettre l'amende. Alors nous vraiment là, c'est Biomicro Patraf. Alors, vous avez plusieurs petits points. Donc là, le petit chapeau c'est Pizza Hut. En fait je pense que ça doit ressembler à une pizza mais bon c'est. Le F, comme l'a dit le gamer, c'est le bureau du FBI. Ici, tu as les dépanneurs. Ici, tu as le commissariat de police. Ensuite, là, tu as les plombiers. Là, c'est les mineurs. Les éboueurs, ici. Les pompistes. Donc ça, c'est un peu tous les métiers que tu peux choper au niveau du pôle emploi. Patas, c'est les vieux de tout à l'heure, un streamer. Ah, mais je suis pas censé le savoir, le gamer. On va patrouiller. Si on recroise, on demandera le nom des personnes. Et on verra bien. Tout meilleur, moi là pour le moment, je recherche Patraf. Et je vais croiser des gens, je vais demander comment ils s'appellent. On verra bien. On va vérifier les identités. Donc après, t'as les stations, les appartements achetés, les banques où tu déposes ton argent, les banques que tu peux cambrioler. Là t'as le gouvernement,
plus haute à la ferme et toutes les petites portes bleues c'est les garages où on peut sortir nos véhicules personnels. Je vais éteindre mes gyrophares, on sert à rien. On va aller parler un peu aux agents du gouvernement qui sont au niveau du bureau de vote, voir si tout se passe bien. Ça se trouve, il est au bureau de vote, on va aller voir. Évitez de dire, voilà, c'est ça, Kalash. Salut mon deuxième MP. Je regarde ça vite fait. Ok, les gamers. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai lu ton MP. Oh, putain de merde. On y va. Les sirènes. Je peux pas être partout. Ferme. Bouchon Arena, ok, on va aller voir. Là, ça fait le deuxième appel, je crois pas qu'il y ait du monde. Allez les Speedy, sortez les mains en l'air. Salut salut. Salut Mo. Bah là je sais quasiment à coup sûr qu'il y a personne. Parce que bah, malheureusement, je sais pas si vous l'avez remarqué, on a tous un point au dessus de la tête. Mais logiquement voilà, je dois faire les Speedy tout bordel. Mais là je sais qu'il n'y a personne et comme on m'a appelé sur un autre truc, je vais me dépêcher. Là ça fait le deuxième n'empêche. Je sais pas qui c'est qui s'amuse à faire des trucs comme ça. On verra bien. On va se remettre en mode normal. Et on va aller au truc du bureau de vote. Par contre pour le bureau de vote on va mettre les sirènes. Salut Mo, bienvenue à toi. Merci Mo pour le... Ouais, la voiture là elle pue mais bon, j'ai personne qui est dans le coin. Désolé de pas lire le chat quand je suis comme ça en intervention. C'est pas évident de conduire à fond de balle. Elle freine que dalle cette fête. J'aimerais faire des dérapages avec celle-là mais elle est chiante. Elle colle au sol. Merci pour les follow au fait Cyberlink et tout. J'ai pas eu le temps de te dire merci, j'étais en train de rouler. Merci bien, merci bien. Ouais j'ai vu ça Cyberlink, Cyberkillian, excuse-moi. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Ok. Mais quel conducteur, mais complètement, t'as vu ça? Ah, excusez-moi, monsieur Popov. Agent Popov? Putain. Agent Popov? T'es sous de ma gueule, il m'écoute pas. Et agent Popov? Oui. Ouais, excusez-moi. J'ai vu que vous veniez du nord.
Vous avez pas remarqué un trafic étrange parce qu'on m'a appelé pour des bouchons. Oh, du nol, j'ai été seulement à la supérette d'à côté. Hein. D'accord, parce que moi je venais de l'opposé de votre direction et on m'a appelé pour un bouchon près du bureau de vote à cause d'apparemment de personnes. Oh. Un comportement un peu agressif. Oh, personnellement, j'ai rien vu. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah, je vous remercie bien. Ah, je vous en prie. Je sais pas qui c'est qui m'a appelé. Il y a des véhicules modés. Bah en fait tu peux aller au Los Santos Custom hein, pour modder ton véhicule. Tu peux y aller tranquillement. Hein. Tu peux y aller pépère et puis te modifier ton truc. Mais oui, vous voulez me parler? Oui, c'est pour la madame qui a besoin de vous parler en fait. D'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur, madame. Bonjour, bonne journée, Elena. Vous avez peut-être une. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une intervention, monsieur. Je voudrais pas vous embêter. Non, c'est bon là, c'est redevenu calme. D'accord. En fait, je voulais vous parler par rapport à un incident de cette nuit. J'ai déposé un citoyen de cette ville près de du club Unicorn. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, si. Et en fait, avec une personne, on a pour projet de racheter l'endroit, donc j'ai voulu y aller pour visiter. Et en fait, au moment où je me suis garé à côté, j'ai vu deux voitures de sport. Ouais. Non, c'est de vos coquilles écoutées. J'arrive, messieurs. Allez-y, continuez. Donc deux voitures de sport. J'ai vu deux voitures de sport qui étaient garées. Je pense qu'elles étaient volées. J'ai pas pu m'en approcher. Et surtout des échanges de coups de feu. Du coup, moi, j'ai détalé, hein, j'ai pas voulu rester dans la zone. Oui, c'est tout à fait normal. Mais étant donné qu'il y a eu des coups de feu, j'ai été vers le centre médical. Hein, et oui. J'ai bel et bien récupéré une personne à ce moment-là qui m'a demandé de passer à l'armurerie et ensuite chercher des vêtements, enfin voilà, comme d'habitude, mm-hmm. pour ensuite que je le ramène au Unicorn. Donc je pense, j'ai peur que voilà, mais je ne sais pas ce qui a causé ça, mais le Unicorn est peut-être un endroit à surveiller. Ouais, c'est pas la première fois que je vois des personnes rôder par là-bas pendant mes rondes. D'accord. Et les voitures de sport, vous souvenez de la couleur ou pas? Il y en avait une rouge et une noire, si je ne dis pas de bêtises. C'était les deux mêmes modèles, mais je vous avouerai que je pourrais pas vous dire exactement lequel c'était. Oui, il faudrait que je le voie pour vous dire ce que c'est. Et mais votre... voilà, je pense. Ouais, juste votre client que il vous a demandé de le ramener à l'Unicorn, vous avez une description ou pas? Il vous a donné son nom? Il m'a donné son nom, mais je dois vous avouer que j'ai plus les factures sous les yeux et je me souviens plus du nom qu'il m'a donné. C'était quelque chose comme Martin. Mais franchement, par rapport à ça, j'ai vraiment un doute. Et pour le descriptif, je vois tellement de monde que j'aurais du mal à le reconnaître. Je sais enfin, si je ne dis pas de bêtises, il était blond, les cheveux assez courts, mais sans grande conviction. Hein. C'est sans grande conviction ce que je vous dis. Je me souviens plus très bien. Non, mais on note. Si jamais vous avez retrouvé vos factures avec le nom de la personne, n'hésitez pas à me donner cette information. Hein. Oui, tout à fait. Mais si jamais cette personne remonte dans mon taxi et que je reconnais surtout les voix, et si jamais je reconnais cette personne, je penserai à noter correctement son nom cette fois-ci, et je vous oui, le redonnerai. Pas de souci. Ok, entendu. Bah nous, on va essayer de mettre une petite surveillance sur Unicorn et voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, merci pour l'information. Après. Hein. Après, je sais pas, peut-être que c'était juste une seule fois, mais ça m'a paru étrange. Oui, non, mais vous avez raison de nous le signaler, on sait jamais. Hein. Cette ville est assez surprenante. Oui, en effet. Bah, je me suis fait tirer dessus hein, pendant la nuit. Oui, ça aussi, j'aurais dû en parler, mais il y a un passant fou qui conduisait dans une voiture blanche de type sans permis et qui tirait sur tout le monde. D'accord. Ouais, j'imagine que vous faisiez tirer dessus, vous avez pas trop eu le temps de voir la plaque, c'est logique. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir la plaque et il allait à toute allure en
en conduisant n'importe comment, j'ai pas voulu m'en approcher. Ouais, vous avez totalement raison, c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, on est un peu en sous-effectif à certains horaires, donc c'est pas évident de pouvoir assurer la protection de tout le monde. Non, mais je comprends tout à fait. Hein. D'ailleurs, j'ai récupéré plusieurs personnes à l'hôpital hein, qui ont l'air de s'être fait, pour la plupart, agresser. Donc, c'est vrai que ça semble assez difficile hein, pendant la nuit. D'accord, donc on va essayer de mettre en place une patrouille pour ce genre d'horaire. Ah, mais en tout cas, merci pour toutes ces informations. Hein. Aucun problème. Si jamais j'en ai plus, je viendrai vous voir. Ok, entendu. Eh ben, je vous souhaite un bon courage et une bonne journée. Hein. Merci à vous et puis à vous aussi hein, avec les élections. Oui, oui, bah il y a un peu de travail, c'est sûr, mais ça va, le gouvernement gère la situation ici. Moi, je dois m'occuper plus de la ville. D'accord, tout va bien. Bah, dans ce cas-là, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis bon courage. Hein. De rien, pas de soucis, on est là pour vous. Je vous remercie. Bonne journée. Merci vous aussi. Alors, on a quelques petites infos. Putain, par contre, je dois vous laisser 10 minutes. Est-ce qu'on peut revoir les messages? Et me raconte. Moi, je te raconte pas le boulot. Alors, ouais, le message, j'ai vu les gamers, mais les élections, c'est de 8h30 jusqu'à 20h, 21h, je ne sais plus. Je sais que les résultats sont à 22h. Voilà, voilà. Bon, on a Patraf Berlouf. Si on le croise, on le sanctionne pour avoir mal garé son camion. On va faire un tour au niveau de l'unicorn. Par contre, il faut que je retrouve où il est sur la map. Et oui, les élections, c'est aujourd'hui toute la journée. Donc, il y aura l'air d'avoir des grabuges au niveau de l'unicorn. Et le message, j'ai pas compris le message. Je pense que j'ai noté le bon numéro. Faire ça, ouais, normal. Je pense que j'ai noté le bon numéro. Attends, 5. J'ai cru voir ça comme Lyon. Ça me paraît long quand même. Denise Boom. Je dois m'absenter. Denise Boom. On va lui envoyer un message. On va savoir un peu ce qu'il veut. Ce soir, c'est le débat sur TF1. Mais non, les élections du jeu, le mec a rien compris. Allez, pas mal. Julie, 2347, merci pour ton follow. Excuse-moi, aller à l'arrière, monsieur. Ça, vous êtes pas malade? D'accord, très bien. On envoie un petit message, on va voir ce qu'il dit. On va manger. La sandwich. Alors j'ai de la vodka, mais c'est un cadeau des dépanneurs. C'est totalement indépendant de moi. Denise Boom vient de se déconnecter. Bon. On ne saura pas ce qu'il voulait. En fait, un troll, c'est quand tu sais pas si le mec fait exprès ou si juste les cons. Unicorn, c'est vers la maison de Franklin, je crois. Comme ça, tu te trompes pas. Salut Arcuid. Quid. 22h dans GTA en vrai. 22h en vrai, Raideric. Ah bah Kalash s'en est occupé. Merci Kalash, bien vu. Ah c'est chiant en fait quand je suis dans une scène RP comme ça, bah je regarde pas forcément le chat. J'essaye de noter mais... Mais Kalash il est balèze, c'est tout. Putain, par contre là, ouais, la maison de Franklin, moi je veux bien, mais je vous dis, j'ai acheté le jeu GTA, j'y ai joué 3 soirs en online pour faire des Felly Night, et après c'est tout quoi. Donc voilà quoi. Ouais, le RP sur le serveur, il est au top. Il est au top de top. Par rapport au logo là, les gens qui savent où ce que c'est à peu près l'unicorn, n'hésitez pas à me l'indiquer, parce que je vois pas où il est. Avant il était noté parce qu'il était un truc, mais sauf qu'il a fermé, ils l'ont fait fermer. Ilius passe plus de temps à chercher un slot qu'à jouer. C'est faux. Et merci pour le follow de Ryder. Merci à toi, bienvenue. Attendez, je remets parce que j'avais plus le visuel sur le follow, etc. Oui, bonjour Jean Cooper. Vous allez bien? Ça va et vous?
Ça va, ça va. Vous avez voté ou pas? Oui, oui, bien. Oui, oui, tout à fait, à la première heure. Hein. Avant la prise de service, pour pouvoir être opérationnel et puis m'occuper de ça. Un beau cadet, ça. C'est bien. excusez-moi, Jean Cooper. Voilà, on m'a informé d'un petit événement qui s'est passé pendant la nuit au niveau de l'Unicorn of Love. Par contre, j'ai plus les coordonnées de cet établissement. Vous sauriez me renseigner ou pas? De quoi? Les coordonnées de l'Unicorn of Love, l'établissement qui avait été fermé. Oui. Il y a eu apparemment des échanges de coups de feu la nuit dernière. J'aurais aimé y faire un tour, mais je n'ai plus la localisation de cet établissement. Sur votre carte, vous avez l'auto-école. À gauche de l'auto-école, vous avez un vendeur de vêtements. C'est au-dessus, juste au-dessus, au carrefour du vendeur de vêtements de l'auto-école. Ok, c'est super. Bah, je vous remercie beaucoup, Jean Cooper. Bon courage. Allez, bon courage à vous. Vous avez pas besoin d'aide sur votre dispositif des élections, c'est bon? Ah bah, essayez de rester le plus souvent possible ici quand même. Ouais, de toute manière, je suis dans le... Il y a eu plusieurs débuts de bagarre tout à l'heure, donc on a dû intervenir. Mais... D'accord, bah moi j'étais sur quelques braquages, donc c'est pour ça que j'étais un peu plus loin. Après, j'ai fait chou blanc sur les braquages, est-ce que c'était une diversion? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de faire mon mieux. Je sais pas, mais bon, ils ont leur avis diverge sur la politique, donc bon. Oui, j'imagine que c'est chaud. Oui, j'ai eu l'instruction d'être dans le coin, mais vous inquiétez pas, je tourne dans le coin, y'a pas de soucis. Pas de soucis, faites votre travail. Allez, bon courage. N'hésitez pas à passer prendre un café avec nous. Ouais, y'a pas de soucis, avec plaisir. Alors. Ça c'est fait. Merci pour les follow. Alors, j'ai loupé les gamers belges, bienvenue. Rubilax, bienvenue. El Nounourso, bienvenue sur la chaîne. Merci pour tous ces follow, ça fait plaisir. Exactement, bah t'avais bon, Erdistream. T'avais bon, donc on va s'y rendre. Donc si je me dis pas de conneries, il m'a dit que c'était là. On va aller faire un tour, on va regarder un peu la scène. On va redémarrer le moteur. C'est quoi d'ailleurs? Oh là 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 là. J'aurai le droit d'y aller en code 3 avec la sirène. Ouais, bonjour. Bonjour monsieur l'agent. Bonjour. Bonjour monsieur l'agent, cadet. Ça va, tout se passe bien? Ouais, très bien. Vous venez pour le coup de pied dans la portière, j'ai ouais, pas fait exprès. Ouais, c'est ça, j'ai entendu un bruit de vide, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a bien fait une agression au niveau de mon ambulance, hein, vous pouvez l'arrêter. Hein. Non, non, monsieur Dehart, là vous y allez un peu fort quand même, vous savez bien que je suis pas comme ça. Je fais pas des agressions déguisées, moi, j'agresse directement. D'accord, d'accord. Ça va. Monsieur Newhart, pour votre vie. Je me soigne, ça je va me soigne. À la mienne, avant, quand on me demandait de mettre les mains en l'air, je mettais des patates. Et maintenant, j'y arrive. Sans mettre de patates. Attendez, je n'entends rien parce que monsieur Lejean me gueule beaucoup. Ouais, hein, je vois ça, je vois ça. Ah bah, tout à l'heure, on disait, vous m'entendez pas. Ça va aller pour la vie, vous allez vous arranger à l'amiable avec cette personne ou vous avez besoin de moi? La vie? Ouais, ne vous en faites pas. Ah, parce que. C'est cassé quand même, non? Bah, moi, la vitre était déjà abaissée. Hein, d'accord. Cette vitre-là. Ouais, je la vois toujours, la vitre. Mais non, c'était au cas où, je voulais constater avec monsieur Neart. On ne sait jamais. Ah, y a pas de soucis, ne vous en faites pas. D'ailleurs, cadet, votre nom ne me dit rien. Vous êtes venu passer votre visite médicale? Ah non, pas encore. J'ai été recruté hier dans l'après-midi. J'ai fini ma formation hier dans l'après-midi et affecté fin de journée. D'accord, quel est votre nom, cadet? Jack mais White. Mais taisez-vous, laissez-le parler. Le cadet Jack White, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, il faudrait que vous passiez à l'hôpital quand vous avez le temps pour venir faire votre visite. Oui, bien sûr, sans problème. Je pense qu'aujourd'hui vous allez être débordé, donc je vais éviter de vous rajouter du travail. Oh, c'est deux, quoi. Après, si on arrive à être... si on est deux, vous aurez le temps de passer à l'hôpital, oui, hein. Dans ce cas-là, pas trop débordé. Je pense bien. Si à un moment vous avez un creux, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je pense que si c'est plutôt à vous, hein. Si vous avez un creux ou que vous avez du renfort, dans ce cas-là, ouais, venez directement là... à l'hôpital et si on n'est pas là, vous nous passez un petit coup de fil. Là, c'est assez juste, donc je vais éviter de ne pas patrouiller, on va continuer le travail. Hein. Ah, tout à fait, hein. Vous devez rester là, je présume. Non, mais je dois rester dans les environs, hein. Le gouvernement fait bien le travail, mais on sait jamais en renfort, apparemment il y a eu quelques débuts de bagarre là dans la matinée.
D'accord. J'ai eu de la bagarre. Président pas fait, là, en treillis militaire. Et je l'ai remis à sa place aussi, celui-là. Ouais, par contre, va pas falloir faire la loi vous-même, hein. Je fais pas la loi moi-même, mais si un mec vient et m'insulte et me menace de m'en mettre une dans la gueule, j'ai pas m'amuser à appeler la police à chaque fois, sinon j'ai pas fini. Hein. Si c'est sur place, là on est là, il y a le gouvernement aussi qui est là. Donc, y avait personne. Ah, y avait personne. N'hésitez pas là, monsieur. N'hésitez pas à nous appeler quand même, on se déplace, hein. Y a pas de problème, on est là pour vous. Hein. Ouais, non mais la prochaine fois, au pire, je vous appellerai. Mais j'avais envie de lui foutre mon 50 sur le coin du crâne, ce que j'ai fait, et il s'est calmé. Oui, sauf que là, si vous me faites ça devant moi, je pense que vous allez faire un petit tour au poste. Hein. C'est pour ça que je vous ai pas appelé. Ouais, non mais qu'on soit bien d'accord, hein, si ça se reproduit et que je vous vois, ce sera le poste. Hein, sinon, je pense. Vous pouvez déjà l'emmener au poste, hein, ça nous fera un problème en moins ville. Hein. Bah, merci, monsieur. Vous êtes bien gentil, ça va, il a l'air assez calme. Vous savez quoi, je passerai par un magasin de vêtements et je vous achèterai une chemise. Ah, y a pas besoin, j'irai m'en acheter une moi-même. Ah bon, vous voulez 300 balles? Non, c'est bon, j'ai de quoi faire. Je vous remercie de votre gentillesse, monsieur le gendarme. Ah, bonjour, monsieur. Allez, bonjour. Ah, bonjour, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, on discute seulement. Arrêtez de vous plaindre. Vous venez pas voter, c'est ça? Ah, bah oui, il faut bien. Hein. Ouais, grand jour de vote aujourd'hui. D'accord, tout le monde. Mais c'est là-bas, là. Mais non, je vais pas l'embarquer, il est tranquille, les petites blagonnettes, c'est pas bien méchant. Après voilà, il raconte ça, mais si je le vois faire, c'est sûr que s'il met son flingue sur la tempe de quelqu'un, ça va pas se faire comme ça. On dirait un alcoolo, mais complètement le mec. Ouais, moi aussi il est cool, le docteur, le kiff. Ouais, le docteur est assez cool. J'ai reçu tes MP, le gamer. Je m'occupe de répondre aux MP Twitch à la fin du live de ce matin. Je ferai une pause le midi pour manger et attendre le restart serveur. Bon, par contre, il va falloir que j'aille au dépanneur. Moi. Parce que ça va pas le faire le flic à un phare. On va d'abord se rendre à l'Unicorn of Love. Et puis par la suite, on va aller se faire réparer cette voiture, s'il y a du monde. Lui c'est un dingue, il se bagarre H24. Bah moi je suis pas censé le connaître, je l'ai jamais contrôlé. Donc c'est une information HRP. Pas bien méchante l'information HRP, mais je vais pas la prendre en compte. Merde, putain, je lis les messages et je prends le poteau quoi. Pendant ta pause miam, faut qu'on cause pour l'assaut, mais y'a pas de soucis. D'ailleurs Mo, hésite pas à faire un peu de pub les gens. Je fais partie d'une association qui fait des streams, des tournois sur League of Legends. La Ligue des Légendes. Des tournois 1 contre 1. Vous avez juste à aller sur la petite... vous descendez dans la description de ma chaîne. Y'a un petit coin où il y a marqué l'association Rage Against the Joystick. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur notre site. Et sur le site, vous avez les liens Facebook, Twitter, tout ce qui s'ensuit. Bon, il avance lui ou pas? Donc, n'hésitez pas à faire un tour, c'est vachement sympa. J'y fais partie, je m'occupe des tournois League of Legends avec une belle équipe de staff et des tournois 1 contre 1 à thème qui changent du quotidien de League of Legends et qui vous permet de gagner des skins gratuits. Je n'ai pas vu pour qui tu avais voté, tu peux le redire. Alors, j'ai voté pour Ferguson. Et par contre, personne m'a vu voter parce que quand j'ai voté, il y avait deux personnes sur les streams. C'était le Moubot et moi. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur l'association dont je fais partie, Rage Against the Joystick, n'hésitez pas, il y a Mo Crazy Smile qui est là et qui est la chef de l'association. Donc si quelques petites questions ou autres, n'hésitez pas à la MP, à lui parler sur le chat, il n'y a pas de soucis. Alors, l'Unicorn of Love, les amis, ça doit être... attends, il m'a dit, hop, le croisement, ça doit être la petite ruelle là-bas. Specter Colombo, les gars. Attends, pourquoi je suis parti? Ouais, ça doit être ça par là. Ah, c'est ça, l'Unicorn of Love. Bon, enquête de police. Ouais, là, je connais tous les secrets d'Elius. Voilà, c'est vos questions. La nana, elle nous a dit une voiture de sport rouge et une autre noire. Hein. Je pense pas que ça doit être celle-ci, mais bon. Ils sont de l'autre côté, ça va être casse-couille à passer. El Kiwi ? J'imagine qu'on va prendre ça comme ça. El Kiwi, bienvenue à toi sur la chaîne, merci pour le follow. Ça fait super plaisir. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour dans l'Unicorn of Love? Je suis pas sûr. Ah si.
Bonjour, bonjour. C'est ambiancé les gens. Plagiat de Germain Toussaint. Il était lui. Bon, piste de danse, tranquille. Ouais, merci du follow les gars. Ça fait super plaisir. Alonzor14, merci pour le Fallhouse. Alors oui, c'est fermé, il me semble, logiquement, mais tu peux y accéder quand même. Agent Coca, non, on m'a signalé dans la nuit des coups de feu et un règlement en compte sur zone. Je m'y suis présenté, voilà, c'est tout. Et bienvenue à toi, Lonzor. Ouais, bon. RAS. RS, faudra que je fasse un petit rapport au capitaine. Voilà. Regardez s'il n'y a pas des indices quelque part. Toussaint, mon héros, mais complètement Toussaint, c'est le mec qui inspire tous les flics, je pense. Il n'y a pas de zone bizarre et tout. On va checker un peu. Patrouille, on patrouille. Merde, escalier de merde. Pas le matin. Et merci pour ton follow, LucianZX. Ton pseudo viendrait pas de la Ligue des Légendes? On va faire le tour un peu des bâtiments. On sait jamais s'il y a quelque chose de louche qui traîne dans le coin. Non. On va checker les garages là et puis après on repartira en patrouille. Oui, Kalash, il y a un Discord. Actuellement là je suis sur le Discord des Faily parce que pour montrer qu'il y a un flic, je me suis mis dans le chan police dont personne va venir. Si tu vas sur le site de l'association Rage Against the Joystick, je suis généralement sur ce Discord là. Vous avez accès à la taverne publique, une gaming room, et après vous verrez les gens du staff et les joueurs, les membres joueurs de l'association sur ce Discord. Après j'ai un Discord perso mais qui sert à rien, j'utilise celui de l'association RAJ le plus souvent. Voilà. On va aller voir les dépanneurs. Les dépanneurs qui vont prélever une blinde pour réparer cette voiture. Voilà, Mo s'en occupe. C'est super. J'allais dire, on va poser la thune, mais vu que les dépanneurs ils vont me prendre un bras. Moi je dis ça se trouve, ils vont pas me prendre grand chose. Gare en marche arrière, on sait jamais s'il est là. Je suis que sur Discord, voilà. Ouais, non, le gamer, les commandes, faut que je remette le bot en route et tout le bordel, donc vous inquiétez pas, il n'y a aucune commande qui fonctionne. Alors, téléphone, dépanneur, est-ce qu'il y a un dépanneur? Aucun dépanneur en service. Eh ben, on va rester avec notre voiture qui lui manque un phare, et puis c'est tout. Tant pis, c'est pas faute de vouloir être légal. Voilà. Je peux ajouter les grands yeux. Ouais, je sais les gars, il y a aussi Kalash qui est chaud pour mettre les commandes et tout. Je vous ai dit, je m'occupe de vous ce midi les gars. Ça marche? On se capte ce midi là, à la fin du stream de la matinée. On se capte et je vous fais ça. Tu devrais changer ta carte, tu aurais les noms des rues. Mais oui, Arcued, je l'ai fait avant de me connecter et ça a pas voulu fonctionner.
Donc j'ai dû merder dans le décompressage du fichier. Il faut que je le refasse, je vais le faire ce midi avant de me reco. Voilà. Bon, on nous a dit de retourner patrouiller pas loin du bureau de vote, on va y retourner hein. Putain, j'ai pas demandé le nom de la taxi. Je suis tellement mauvais. Oh le nul, mais on t'aime quand même. Mais complètement. Il faut tout mettre dans 5M application data pour la map. Putain, je crois que je l'ai mis dans le dossier source de 5M, c'est tout. C'est quoi ce délire? Ah, c'est un bordel les bots. Je vais être obligé de les bouger à la main parce que... Parce qu'ils vont, me créer un bouchon. Il s'énerve le PNJ, c'est un doudou. Ah, vu qu'on n'a pas de dépanneur, je préfère le faire avant que ça foute le bordel. Re-calèche. Calèche. Donc ça c'est des PNJ, ils ont eu peur de je sais pas quoi. Et du coup ça laisse leur voiture là, et si je le laisse, et ben les PNJ ils vont foutre le bordel à la circulation. Et comme j'ai pas de dépanneur... Et merde, vu que j'ai pris une autre... Attends non. Ok, bah si, on va être obligé de la crocheter. Bravo, bravo. T'inquiète, j'ai fait pareil pour le premier coup. Ouais, bien vu. Bah, je l'avais mis en plus, j'avais réussi à la mettre une première fois. Oui, je l'ai vu, Kalash, ton petit dernier message. J'ai vu vos messages MP, vous inquiétez pas, j'ai la liste là sur le côté. Belgian Berry Companies. Ah, c'est les mecs qui vendent de la bière. Ok, d'accord. On va le suivre un peu. Ouais, monsieur, garez-vous. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux avoir votre identité, s'il vous plaît. Monsieur. À qui, à moi, monsieur? Non, pas vous, monsieur. Le monsieur juste devant moi. C'est moi. Je peux continuer ma route, monsieur le policier? Ouais, allez-y. Libérez la circulation. Jean Phoenix, c'est ça? Ouais. Ok, par contre, le demi-tour là, en plein le boulevard, c'est pas top quoi. Ouais, j'avoue, je voulais interpeller le monsieur en fait par rapport au travail, mais du coup, c'est pas passé. Ouais, bah, vaut mieux faire le tour et puis prendre le temps. Parce que là, vous avez mis un peu tout le monde en danger quand même. Ah, je suis désolé, monsieur. Voilà, je vais faire un peu le tour de votre véhicule. Ok, correct. Bon, pour cette fois-ci, ce sera juste un rappel à l'oral. Par contre, la prochaine fois, de monsieur Phoenix, je vous mettrai une amende. On est d'accord? Désolé, ça se reproduira plus. Ok, y'a pas de soucis. Bon, allez,
Bonne continuation, bonne journée. Jean Phoenix. Il a le permis de voiture, mais il roule avec une voiture sans permis. Après, on n'a pas trop forcément les thunes. Moi aussi, tu m'entends, ta config, ton micro. Prends sa carte d'identité aussi. Crocheter sa propre bagnole, ouais, c'est moche, hein. C'est moche. Bon, on nous a dit d'être un peu cool au début sur les premières fois. Par contre, je me note Jean Phoenix. Putain, j'ai un calepin, il va être de ouf. Jean Phoenix. Jean Phoenix, on va mettre demi-tour en plein boulevard. Voilà, voilà. Donc, merde, faut que je l'enlève sa carte d'identité parce que ça me saoule. Voilà. Donc, la prochaine fois, si on le croise et que bah, y a un sous-sail, on le verbalisera parce qu'on l'a prévenu une fois. Allez, on va retourner au gouvernement. Enfin, au gouvernement. Au bureau de vote. Bonsoir Azazo, bonsoir. Toi tu te réveilles, je sais pas où. On n'est pas sur le même même fuseau horaire. Hey Azazo, merci pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi sur la chaîne. Oh putain. Encore un PNJ qui fait de la merde avec son 4x4. Il faudra un dépanneur là. Ouais bah là le vieux il avait rien fait de spécial lui. Donc j'avais aucune raison RP parlant de l'arrêter. Après voilà ils étaient tous les deux, j'ai mis les sirènes. Ils ont cru que c'était pour tous les deux. Moi personnellement je n'ai vu que le Phoenix. J'ai vu que le Phoenix qui a fait une petite infraction quand même. On est gentil pour le moment. Merci pour ton follow, Doc Druid. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Du coup, on va voir le... Non, putain, on vient de la fermer. Joué, on l'a fait bugger, non? Ah, on l'a fait bugger. Génial! Génial! On va encore la crocheter. Ah, le PNJ décédé là-bas au milieu de la route. Tu live cet après-midi, affirmatif si jamais après le reboot de 14h j'ai mon slot, je streamerai toute l'après-midi. Ça y a aucun souci. Et demain ce sera le même tarif. Demain ce sera du 10h. On va aller boire un café avec les gars du gouvernement. Tu sais que tu peux ouvrir ta porte de voiture avec la touche U. Oui je sais, non mais je sais Azazo, c'est... mais des fois ça bug en fait. Quand on monte dans un autre véhicule, ça fait comme si on prenait les clés en fait, nous les flics. Parce qu'on peut fermer n'importe quel véhicule. Putain, plateau télé et tout pour la... comment ça s'appelle, pour l'élection présidentielle. À 22h il y aura les résultats. Donc ah ça va, ils ont bien géré hein. Plateau télé et tout, c'est stylé hein. Je fais des études IRL, non je travaille IRL, je bosse. Je bosse. Travail. La fermer, ok. Ouais, je sais, pour la fermer et tout. Je sais pas s'il est occupé, Cooper. Ouais, agent Cooper. Presque responsable. Je pense qu'il est occupé. Parce que c'est eux qui développent tout le bordel.
J'ai 24 ans, bientôt 25. Cet été. Bon, on va le laisser tranquille, Cooper. À mon avis, il doit pas être en mode je joue. Il doit être en mode je développe tranquillement. Donc voilà, c'est les bornes pour ceux qui vont jouer cet après-midi ou je sais pas quoi. C'est les bornes là-bas et tu votes pour la personne que tu veux. On va le laisser se garer pour venir voter, lui. Bonjour monsieur. Bonsoir. Enfin bonjour pardon. Oui bonjour. Belle moto hein. Bah merci. Bon vous savez que vous avez le droit quand même de la garer sur une place. Ah je pensais que justement je pouvais la garer ici. Bah pas de soucis, j'ai la bougie. Non mais vous pouvez la laisser, c'est bon, allez voter, y'a pas de soucis pour ce fois-ci. Mais la prochaine fois quand il y a autant de places de libre, n'hésitez pas à la mettre sur une place. D'accord ok. Bah je pensais me rapprocher en fait. D'accord ok. Allez bonne journée. Merci, moi aussi. Ça va et toi, Phil? Bah, ça va. Ça va, t'as acheté ta bécane du coup? Bah, ouais, ça y est. Bah, elle est là. Bah, j'ai eu un accident. À... Pas trop mouvementé cette matinée? Non, assez calme. Ouais, c'est parfait. On est deux, de toute façon, en cas où y a le docteur en chef qui est là. Hein. Donc, j'avais cru. Je vais rester en visuel sur ces deux individus. Ouais, très bien. Apparemment, il y en a un qui aime bien. Moi, je reste ici en tous les cas, sauf si y a une intervention, bien sûr. Oui, bah, évidemment. Bah, moi, je patrouille. Normalement, il y a. D'accord. Bah, allez, bon courage à vous. Ouais, vous aussi. Non, on va le laisser aspirer. On a un peu ça. Ruth John. Ok. Mais non, mais ils ont carrément fait un plateau et tout, c'est plein de caméras, de l'éclairage partout, ils ont bien géré. Hein. Service médical qui est là en permanence et tout. Aucun souci. Non, ils ont géré le truc. Bon, je dois y aller, je reviens, c'est vrai. Il n'y a pas de soucis, Verity Street. Passe une bonne fin de matinée. N'hésite pas à repasser cet après-midi, il n'y a pas de soucis. Allez, bonne journée à toi. Comment qu'on va dire ça? Ouais. Allez, salut. Tu es en repos ou alors tu as des horaires généreuses? J'ai travaillé cette nuit en fait, Max. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai travaillé toute la nuit. Donc je suis revenu chez moi, il était 7h40. Et voilà. Je crois qu'il y a des trucs de base ici dans GTA. Cyberlink, ce soir. Alors, Oh putain, c'est quoi ça? Mais t'es complètement cinglé, toi! Allez, descendez de là, 2 secondes. Et je suis sur un parking, arrêtez de faire du zèle, la police, ouais, hein, vous êtes vraiment chiant. Descendez quand même, descendez du véhicule. Je suis sur un parking, j'essaye la moto de mon employé. Il me l'a prêté, je suis sur un parking. Descendez quand même du véhicule. Putain, ils sont casse-couilles. Hein. C'est bon, c'est la mienne, il voulait juste l'essayer. Ouais, mais vous voyez la vitesse, il veut dire rien de mal. Il voulait juste l'essayer, tu sais qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce n'en pas fait. Il a voulu reculer à moitié pour que je me casse la gueule avec ta bécane. Ouais, on va parler. Ah oui, d'accord. Moi, ce que je voulais, c'est que vous arrêtiez parce que, vu la vitesse où vous êtes passé devant moi, c'est quand même un parking, il y a des piétons. C'est une zone où on roule doucement. Il y avait aucun piéton. Je veux pas le savoir, c'est pas parce qu'il y a personne que. Putain, mais les flics zélés de cette ville, quoi, c'est dingue, c'est comme ta collègue chinoise, je te l'ai envoyé chier hier, celle-là. Je vous conseille de vous calmer et de parler meilleur de mes collègues. Parce que tu vas faire quoi? Dans ce cas-là, regardez dans votre rétro avant de reculer aussi. Ah non, mais je l'ai fait exprès, hein, voilà. Y'a pas de soucis, hein. Je l'ai vu passer devant moi. La prochaine fois, je serai exprès de te rentrer dedans et te foutre une mandale dans ta tronche. Comme ça, on sera quitte. On va se calmer. Ah, comment vous allez me donner votre identité? Tu veux mon identité? Non, tu l'auras pas. Allez, donnez-moi votre identité. Non. Monsieur, je vous conseille de coopérer. Tu veux mon identité? Tu vas demander à Cooper, il va te la donner, mon identité. J'ai pas besoin de l'agent Cooper pour me la donner, vous avez juste à me la donner.
L'agent Cooper. Ça fait rigoler. Ouais. Bah par contre, moi, ce qui va me faire rigoler, c'est que si vous avez pas de permis moto, je peux vous mettre une amende. Alors bien sûr, déjà, le permis moto, je l'ai. Ça, c'est un problème. Bah, je confirme qu'il l'a, sans ça, il aurait pas pu s'acheter une bécane. Hein. Ouais, non, on sait jamais, il y a des revendeurs. On sait jamais. Par contre, ah, je vous le répète, on est sur un parking. Nouveau, vous allez sur une piste. Y a ouais, pas justement, de on est sur un parking. Ouais, ouais, bah un parking, on roule doucement, ok. Donc là. Ah ouais, donc on roule doucement sur la route, on roule doucement sur un parking. Bah tu sais quoi, je vais venir dans ton jardin. Ah non, monsieur, parce qu'il y a des pistes pour ça. Hein. Vous louez à une journée pistes, à une piste pour vous amuser et voilà, c'est tout quoi. Bah, vous renseignez, je suis sûr. Il y aimerait bien que vous me la montriez cette piste. Oh, ça doit se trouver, ouais, mais en tout cas, moi je veux pas que vous fassiez ça sur un parking. Non, mais je comprends que tu t'ennuies, hein, mais c'était pas la peine de faire chier pour si peu. Ah, c'est pas faire chier. Je fais juste mon travail, si. Moi j'ai pas envie que vous écrasiez un mec. Imaginez, il y a une famille qui non, vient tu voter, vous travail, écrasez. Là, tu fais du zèle. Imaginez, il y a une famille qui passe, vous écrasez alors qu'ils viennent juste voter. Sympa la journée, non? Non, mais je suis pas débile, putain, je vais pas aller écraser des gens. Bah, vu à la vitesse où vous allez, ça se pourrait. Ok? À la vitesse où je vais. La machine a même pas dépassé le 60 à l'heure, la vitesse où je vais, quoi. Ouais, bord de rire. On roule pas à 60 sur un parking, monsieur, c'est 20 km à l'heure à peu près. D'accord, ok. Bah allez, bonne journée. Si vous voulez tester cette moto, vous allez ailleurs dans un endroit privé, pas un espace public. Eh bah écoute, vu que t'es si malin que ça, tu vas me dire où il y a un endroit privé où je peux tester ma moto parce que j'en ai pas la moindre. Enfin, ça, moto. Moi je connais pas non plus, faudra aller voir l'office du tourisme du coin, on va sûrement vous renseigner. T'as, ils ont réponse à tout, c'est dingue. Hein. Allez, bonne journée, messieurs. Ils ont de la réponse. Même si je sais pas où est l'office de tourisme non plus, mais bon. Ouais, bah ouais, non, moi non plus. Le seul truc que je vois avec un i, c'est le Pôle emploi. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire un wheeling. Donc, je vais faire un wheeling. Ah, bah, tu peux y aller. Hein. Par contre, monsieur, si je vous vois recommencer, là, je vous arrête. On se met bien d'accord. Ah, ouais? Bah, arrête-moi. Commencez pas à faire le malin. Vas-y, descends ta bagnole, toi. Descends, vas-y, descends là. Descends, je te dis. C'est qui ton supérieur? C'est pas Tulachi? Tu veux qu'on aille régler ça avec lui? Et alors, moi j'ai pas besoin de mon supérieur pour. Tu vas te retrouver à la circulation, espèce d'abruti, t'as pas compris, je crois. Ah, mais vous allez. Tu rentres dans la moto de mon employé là? Vous allez rentrer sur. C'est ça? Ouais, moi en tôle, bah on va rigoler deux secondes si moi je vais en tôle, bah putain. Je crois que t'as pas bien compris à qui tu t'adressais, toi. Ah, monsieur, je vais vous demander de vous calmer. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? On va aller faire un petit tour au commissariat, ça marche? Bah vas-y, viens, on y va. Vas-y, on va rigoler deux minutes. Tu vas passer la plus sale journée de ta vie, mon pote, je te dis direct. Tu veux que je vienne avec toi, Phil? Non, t'inquiète. On a pas besoin de vous, monsieur. Ok. Par contre, tu peux aller voir Cooper et lui dire que l'autre en pas fait m'a embarqué. Ouais, bien sûr. Merci, Romain. Allez, on va l'emmener, ça va lui faire la pite. C'est bien, ça t'occupe comme ça. Je préférais faire autre chose. Bah allez, c'est bah quoi, fallait pas me casser les couilles et fallait me laisser faire un petit tour de parking avec la moto de mon employé. Non mais c'est une zone publique où les gens viennent tous voter aujourd'hui. Il va y avoir des familles entières. Moi je vous laisse pas faire le mariole comme ouais, ça. Ouais non sur mais c'est bon, j'ai compris. C'est une zone publique, il y a des familles, on en a vu plein et voilà et patati patata et t'avais envie de faire du zèle, tu te faisais chier. Bah, non je fais pas du zèle, j'ai autre chose à faire monsieur. Il y a pas mal de choses à faire dans cette ville, vous êtes bien au courant. Eh bah fous-moi la paix, fais autre chose plutôt que de glander sur le parking depuis tout à l'heure. Tu crois que mes impôts ils payent rien foutre? Ah bah justement, vos impôts ils vont me payer à vous emmener au commissariat. Eh bah tu me vois ravi de justifier ton salaire. Faut au moins un code 3 hein, pour ramener un mec à qui t'as mis les menottes au commissariat. J'ai pas besoin de vous pour justifier mes alertes. Ça c'était un feu rouge. Ah mais il y a les sirènes. Ça c'était un trottoir. Ah. Faites gaffe, il y a un portail. Ne vous inquiétez pas, je connais. Ah, il fait chier, Cooper.
Je vais vous laisser sortir du véhicule. Bah je peux pas, je suis attaché. Logement là, vous pouvez. Négatif. Ouais, là, je suis tombé sur une flèche. Bah voilà. Allez, vous me suivez? Je sais pas. Franchement, je te suis, mais ça me gonfle. Ouais, t'inquiète. Merci pour la porte. Allez, vous rentrez dans celle du milieu, s'il vous plaît. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais. Non. Je vais aller vérifier votre casier. Bah, y'a pas de casier, hein. Tu peux aller vérifier. Hein. Bah, rentrez dans la cellule pour le moment. Comment? Insulte? Non, je vous ai dit rentrer dans la cellule pour le moment. Ah bon, j'ai cru que tu allais dire insulte. Non, non. Allez-y, rentrez. Pour des raisons de sécurité, je vais vous remonter. Effectivement, c'est plus sûr pour ton nez. Putain, ça m'énerve les bugs comme ça. Marrant comme les gens ils en ont tous après mon cul depuis 3 jours quoi, c'est dingue, surtout les flics, je sais pas pourquoi. Non monsieur, moi c'est la première fois que j'ai affaire à vous, donc c'est Phil Legendre, c'est ça? Je t'ai pas donné mon identité. Bah j'ai pris vos affaires monsieur. Par contre l'arme tu me la rendras. Je n'ai pris je que pense ce pas que t'aies les moyens de te la payer celle-là. Je n'ai pris que ce qu'il n'y avait, ce que vous n'aviez pas le droit d'avoir sur vous. Logiquement, vous avez le reste. Bon, allez, je vais vérifier votre. Non, bah, moi, un calibre 50. Ah, bah, il est toujours là. Ah, bah, l'autre truc, je l'ai pas vu. Quoi? Ah, y'a pas de soucis, moi, je l'ai vu. Là, je reviens, bougez pas. Ah, c'est peut-être quand je suis monté avec l'infirmier Smith, ça. Oui, j'ai son identité, Jean. Hop, 5 prisons, il le mérite. T'as pas son nom, il l'a pas donné. Bah, j'ai pris ses affaires à Aspirine, donc son. Comment s'appelle comment dire j'ai pris ses affaires, son portefeuille, etc. Moi, c'est l'identité que j'avais dans le portefeuille. Le mec, tu le fous en tôle, tu prends ses affaires, hein. Tu prends tout ce qu'il a sur lui. Donc là, je vais aller vérifier sur les casiers judiciaires. Hop. Alors, on a. Je suis à la recherche de Phil Legendre. File le jambe, file le jambe, file le jambe. La loi simple. Ok, il a juste un rappel à la loi simple. Ouais, monsieur Legendre. Monsieur Legendre, oui. Bah, je vois que vous avez juste eu un rappel à la loi à la loi récemment. Ah bon? Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez eu, non? C'est ce qu'il y a écrit sur votre casier. Hein. Ah oui. Ah pour quand votre capitaine il est arrivé comme un grand malade hein, en mode cow-boy et qu'il nous a tiré dessus et qu'après il s'est excusé. D'accord. D'accord. Parce qu'il s'était trompé. On a eu un rappel à la loi. Ah mais oui. D'accord. Mais oui. C'est parce que j'ai foutu de branler à Toussaint et à un mec avec des cheveux longs, une queue de cheveux, un chauve. D'accord, et vous avez juste pris un petit rappel à la loi, ça vous en êtes bien tiré quand même? Bah ouais, bah je vous l'ai dit. Ok. Ça a rien embarqué. Bon, pour aujourd'hui, on va vous remettre un petit rappel à la loi. Parce deuxième. Que quand même, bah ouais, je suis gentil, hein, parce que je peux mettre outrage à l'argent, etc. Après voilà, moi ce que je veux ouais, vous faire comprendre, moi, je mets c'est outrage que... à la moto de mon employé. Ouais, mais moi ce que je veux vous faire comprendre monsieur Legendre, c'est que j'ai pas envie d'avoir des blessés sur ce parking là. Aujourd'hui c'est une grande journée, il va y avoir énormément de monde à cet endroit là. Ouais, vous allez faire ça ouais, sur une usine désaffectée. Sur l'autoroute et je ferai des... Mais non, vous allez dans une je usine désaffectée. Je ferai des blessés sur l'autoroute. Monsieur Legendre, fois, non problème. Pas l'autoroute non plus. Mais regardez, il y a pas mal d'usines désinfectées, vous allez là-dedans, moi ça me pose pas de problème.
sur le port, il y a que des bateaux, ouais. Vous avez une grande visibilité, ça me dérange pas. Mais là, sur un parking en plus. Moi, on m'arrête parce que j'essaye une moto sur un parking où il n'y a pas un Pékin, il n'y avait pas un chat. Et par contre, tout à l'heure, l'autre en pafé qui faisait chier tout le monde et qui voulait mettre des tarioles à tout le monde, il n'était pas là, le. Ah, bah désolé, je peux pas être partout, monsieur Lejean. Je peux pas être partout. Il était où? Bah, il était en intervention, le cadet. Je vais vous mettre un rappel à la loi alors, simple, et je vous libérerai derrière. Ça servait bien à quelque chose de m'emmener jusqu'ici. Vous acceptez de payer, monsieur Legendre? Non, j'ai pas payé. Bah, il faudrait. Monsieur Legendre. Ah non, vous avez décidé de me faire chier sur le parking, j'ai décidé de vous faire chier aussi. Monsieur Legendre, moi tant que vous allez pas payer, c'est simple, je vous laisse ici, y a pas de souci. Et si vous voulez, je peux vous rajouter outrage à agent, là j'ai été gentil franchement. Outrage à agent, c'est dangereux, etc. Ça non, sera pas la première fois. Je veux pas être un connard, je suis tranquille, c'est la première fois que j'ai affaire à vous, je laisse toujours une chance. Ça marche? Après voilà, je veux la jouer réglo. Je vous fais une petite fleur en vous mettant pas les conduites dangereuses sur le parking ainsi que l'outrage à agent. Je vous mets juste un rappel à la loi simple. Et je vous laisse tranquille. Ça marche? Ouais, allez, d'accord, vas-y. Voilà. Voilà. Je vais vous démonter, vous allez me suivre, je vais vous rendre vos affaires. Excusez-moi le chat si je ne vous... Putain, le con. Oh, le con. Monsieur Legendre, vous êtes là? Je suis là, c'est comment? Voilà. Vous arrivez pas à me démenoter? Attendez, je veux. Oui, il y avait un petit souci. Ah, c'est tout bon. Par contre, vous allez pouvoir l'arranger. Pourquoi j'ai une matraque dans la main? Ouais, qu'est-ce que je joue avec une matraque, moi? Venez là, on va regarder. Ah, bah, c'est la mienne! Là, je vais faire quand même une vérification, bougez pas. Non, non, mais c'est la mienne, hein. Véridique. Je l'ai acheté à Munition. Ok, d'accord, le jugement, vous avez que ce qu'il y a à vous. Ouais, c'est ça. Voilà. On va aller ranger là quand même. C'est la mienne. Bah oui. Désolé, ça fait pas super RP. Non, par contre, l'autre arme, oui, c'est quand je suis monté avec l'infirmier Smith. On est parti au distributeur et on a fait du covoiturage, vu qu'on se connaît un petit peu. D'accord, ok. Bah bon, évitez de sortir. Et ce j'ai genre dû de prendre truc. Ça dans sa boîte à gants sans m'en rendre compte, quoi. Ah, faudra peut-être lui rendre un jour quand même. Je pense qu'il en a besoin pour sa défense personnelle. Hein. Vous savez que c'est pas évident. Bah, c'est vous qui l'avez pris, du coup, vous lui rendrez. Ouais, y'a pas de soucis, je leur donnerai. J'ai même pas vu en plus, j'ai même pas ce que c'était, donc comme ça. Ouais, je voulais signer comme quoi tout a été réglé, récupérez vos affaires. Bien, merci. Voilà, signé. Ok. Vous pouvez récupérer vos affaires, le jugement? Où ça? Juste ici, le jugement. Ah oui. Voilà. Merci. Vous... Ah mais j'avais ma super tenue de livreur, moi. Ah, je vous appelle un taxi ou ça va aller? Non, ça va, j'ai mon employé qui vient me chercher en moto. Ok, bonjour. D'accord. Bon, à la prochaine fois, bonjour. On est d'accord? Vous faites ça sur une usine désinfectée, ça me posera pas de soucis. Ouais, enfin, des usines désinfectées, ça courait pas les rues dans le quartier. Oh si, y en a quelques-unes qui traînent au niveau du non, port. Non mais le truc, pas c'est qu'il fallait pas que je m'éloigne, fallait pas que je m'éloigne du bureau de vote, faut que je vois tous les employés de l'entreprise. D'accord, et vous bossez dans quoi là, monsieur livreur, c'est ça? Los Santos Deliveries. D'accord, ça fait longtemps? Bah oui, depuis que je suis arrivé en ville et depuis que l'entreprise a été créée. Ok, d'accord. Non, parce que moi je prends un peu les informations, je viens d'arriver dans la ville donc voilà, je rencontre un peu les gens aussi. Prise de service. Je prends un à cacher, hein, vous savez, ça je peux. Ok, d'accord. Ouais, 10-4. Bon bah je vous laisse, bon. Monsieur Legendre, c'est bon pour moi. Passez une bonne journée. Ouais, vous aussi, faites pas trop de zèle. Non, et puis vous faites attention à vous quand même. Ouais, j'essaierai. Ah, salut, collègue. Ah, salut, c'est toi le nouveau? Ouais, c'est moi, nous, Jack White, enchanté. Jack White. C'est pas déjà rencontré quelque part? Non, je.
J'ai fait quelques CDD en tant que mineur pendant un temps, juste avant mon entretien. Allez, merci pour les photos. Ah, vous m'avez appelé sur la zone de minage hier, je pense que c'était vous. Ah, hier, non, non. Après, je sais qu'il y a une personne qui se prénomme John White, qui n'a aucun lien de parenté avec moi, là, effectivement. Voilà. Ah, c'était un mineur, effectivement, aussi, c'est pour ça, je me suis... Vous croiserez peut-être mon frère, Joe White. Ça fait beaucoup de White dans la Joe ville. Joe White. Mais vous l'avez peut-être croisé, je sais pas si. Ah, c'est... Logiquement, il devrait bientôt intégrer le LSPD. Ah, d'accord. Voilà. Des renforts, c'est bien ça. Oui, bah il faut surtout à certains horaires où on manque d'effectifs, quoi. Ah, il y a très peu d'agents qui sont capables de se réveiller très tôt le matin. C'est ça, ouais, il y en a pas mal qui aiment bien la grasse mat. Sinon, le topo pour ce matin, si tu veux un peu le briefing, parce que je suis là depuis assez tôt. Le topo pour ce matin ? Enfin, le topo de ce qui s'est passé un peu depuis ce matin. On a eu un... Vous avez eu des prises d'otages, des super-aides des... J'ai eu deux petites prises de braquage de super-aides, mais à chaque fois arrivé sur place, il n'y avait plus personne. Et je pense pas, vu la rapidité à laquelle je suis arrivé, je pense pas qu'il y avait du monde qui ait eu le temps de finir. Sinon, ouais, il y a une personne qui travaille chez les taxis, une femme, qui m'a signalé que hier soir, dans la nuit, tard, il y a eu quelques coups de feu au niveau de l'Unicorn of Love. Avec deux voitures de sport. D'accord. Et elle a eu un client qui lui a demandé de le déposer au niveau de l'armurerie, ensuite vêtements, et de retourner à l'Unicorn of Love. Donc il y avait peut-être eu des règlements de compte dans le coin. Donc peut-être. D'accord. Vous avez fait un petit rapport là-dessus ou... Pas encore, j'attends mes codes d'accès par le capitaine. Ah d'accord. On va attendre le capitaine. Ouais, y a pas de soucis, je pense qu'il me fera ça dans la journée. Et je ferai mes rapports ce soir, j'imagine. Voilà. Bon, je vais faire une petite patrouille. Ouais, bah sinon, il y a le gouvernement qui nous a demandé de passer de temps en temps au niveau du bureau de vote. Le gouvernement nous a demandé là aujourd'hui ? Ouais, bah ils m'ont vu, ils m'ont dit si je pouvais rester dans le coin, donc j'essaie d'y aller de temps en temps. D'accord. Bon, bah allez, je te laisse travailler, moi je vais retourner en patrouille. Très bien. Bon, bonne journée, bon courage à vous. Sinon, c'est quoi ton identifiant ? 87. 87, ok d'accord, ouais, moi c'est 27. Joe Walker, 87. Ok, bien reçu. Alors, je reviens un peu sur le stream. Je dois déco, SMS quand t'es en pause. Oui, y a pas de soucis, je te dirai ça un mot. Comment ça s'appelle ? Interaction citoyen, carte d'identité. Alors, désolé le chat, j'ai pas lu du tout. T'es nul, Ilius. Oui, moi aussi je t'aime, KV. J'aime beaucoup le stream. Je te remercie, Zantec. Alors, merci pour les follow. HP45000, Mehdi93. Eden le bricoleur, on va remonter un peu, pas oublier les gens. Yaya2002, merci à toi. Zakaim82, Cryptek, Evrid59, merci à vous tous, merci pour les follow. Ça fait plaisir, plus de follow ce matin encore, on a plus de 40 follow ce matin. Ça fait plaisir. Endel le bricoleur, je crois que je te l'ai déjà dit. Et le dernier c'est Zantenek, non c'est bon, j'ai plus d'autres messages. Je suis revenu au bon moment, on n'est pas trop mal. Alors, je vais me remettre ma petite scène. Hop. Allez, c'est bon, je suis revenu. J'ai rien loupé de spécial, c'est bon. Ouais, le mec est. Merde, je suis parti. Non, c'est pas par là. Le mec était un peu casse-couille, mais on est assez cool. Je suis journée tranquille. On lui a mis juste une petite réprimande qu'on va mettre. Tiens, le genre, on mettra une petite note. Conduite, vide moto. Et merci pour ton follow, Sylvain Moniz. Ah oui, non, mais je sais, on m'a expliqué. Merci le gamer, ouais, 106 viewers, ça fait super plaisir. Et merci Skyness, merci. Ouais, bah le mec, le grand, le gendre, on m'en a un peu parlé. Alors je me fais mes petites notes parce qu'on a des petits rapports à faire ensuite. Motoparking. Voilà. Voilà.
Je l'ai embarqué aussi, le RP de celui que t'as arrêté, il était vraiment cool. Ouais, non, le mec, il est super dans son RP. Tu vois, le mec, je lui demande beaucoup trop de follow. Merci, merci pour les follow. Skyness, Mika, bienvenue. Bienvenue à Seb, j'imagine que ça doit être Seb 301. Bienvenue à toi. Red to 200 followers. Ouais, il y a peut-être moyen à la fin de la journée d'avoir les 200 followers. Ouais, le mec joue très bien le RP parce que le mec, tu lui dis de signer. Et je sais pas si vous avez entendu, j'ai pas trop fait de bruit quand il l'a fait. Quand il a signé, t'entendais, il a dû le faire sur sa table avec un stylo et tout. C'était vachement bien foutu. Vas-y, active les subs. Je peux pas activer la sub. Attends, ma voiture est bien par là. Et je suis paumé, moi, c'est ma deuxième journée au Comico. Ouais, c'est bon. J'avais laissé ouvert. Bien joué, Cadet. Bien joué, bien joué. Bienvenue à tous les arrivants. Bienvenue, bienvenue. Erwan, bienvenue à toi. Merci, tu es les 155e followers. Bienvenue, bienvenue. Et merci Bibo 4550. 45 500 plutôt. Je sais pas. Donc non, moi je fais pas de zèle les gars, sur un parking c'est mort. Après j'ai été gentil, un simple rappel à la loi, c'est pas bien méchant. Hein. C'est pas bien méchant, un simple rappel à la loi, faut pas embêter. Yann, Erwan, un policier en tenue de mineur, c'est pas beau à voir ça. Et si c'est un suicide, quelqu'un d'assez demande rapport terminé. Imcocrin, ça va être bienvenue à toi. Comment ça s'appelle? Merde, j'en étais où? Vous m'avez perdu. Alors, Mehdi 93, c'est la tenue de cadet en fait. Quand on arrive, on a la tenue de policier avec un gilet jaune pour signifier qu'on est tout nouveau. Tout nouveau, tout nouveau. Heureux, singe. Des gros trucs, non, là on a interpellé un gars qui cassait un peu les bonbons, qui faisait le kéké en moto sur le parking du bureau de vote, et moi ça me plaisait pas. Donc je l'ai enlevé, je l'ai fait sortir. Ouais, il me semble aussi qu'il est fort le son des follow. Il me semble aussi, il faut que j'aille faire un tour là-dessus. Je vais aller vous baisser ça tout de suite. Parce que même moi il me dérange. Alors je me demandais, il y a personne qui m'a fait la remarque depuis que je l'ai. Donc je me disais que ça dérangeait pas. Mais c'est vrai que moi je le trouve fort. Donc je pense que ça doit être la même pour vous. Donc on va aller baisser ce son. On va baisser. Voilà, on va mettre comme ça. Par contre, je pense pas que ça va prendre en compte, sauf si je relance le stream. Donc, ce sera repris en compte pour cet après-midi, je pense. Je pense. Voilà. Et ta voix est pas assez forte aussi. Bah, pourtant, je peux pas faire plus, je pense. Attendez, je vais checker. Je sais qu'ils courent comme ça. Je fais gaffe parce que quand je suis pas dans le jeu. Tu te fais pas Tidius et toi. Elise dans la police, mais complètement pignouf. On est des ouf. Alors je me fais bot. Pourquoi pas. Tapis tapis. Elise, je peux te parler après sur le Discord. Mais bien sûr, Erwan. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci les gars, je passerai sur le Discord à la fin du live de ce matin. On arrêtera dans une petite heure, un truc du genre, je pense que dans une petite heure. Purée, il y a une semaine on était 2-3 sur ton live, là j'ai enfin un peu de time, je vois 100 viewers. Moi 100 viewers c'est parce que je dois être l'un des rares à jouer le matin quoi, en police en tout cas. Tu verras que cet après-midi il y a d'autres gros streamers qui vont jouer. C'est normal que les gens aillent vers eux quoi. Ouais bah passez sur le Discord, y'a pas de soucis. Par contre prenez-moi si c'est Discord de Feily ou si c'est Discord de l'assaut RAJ. T'es fatigué quand? Bah je serai fatigué quand j'irai dormir. En plus ce soir j'ai un match de foot. Donc je pense que ce soir quand je vais aller me coucher ça va être drôle. Mais demain pareil on va restreamer toute la journée. On va retourner au niveau du gouvernement.
voir un peu ce qui se passe sur le parking. Les gars, j'arrêterai dans 20-25 minutes peut-être. Dans 20-25 minutes, je regarde tout ce qui est sur Discord. Y a pas de soucis, et puis ben on arrête dans 20-25 minutes parce que j'ai des trucs à faire et faut que je mange aussi. Et on reviendra après 14h. Donc ouais, en gros, là dans 11h20, on arrête, je pense. Voilà, voilà, allez, on va essayer de faire quelques trucs en attendant. Ok, Feli, ça marche, Eden, y'a pas de soucis. Bah, envoyez-moi les messages sur Discord, y'a pas de soucis. Ouais, je reprends juste après le restart serveur. Et dans ce second demande de place de modération terminée. Ok, bien reçu. Ah, c'est toi, Eden. Attends, je vais checker. Ah, j'avais pas tilté que c'était toi, Joe Walker, Eden. Alors, j'avais pas tilté que c'était toi, merde. Ok, ça roule. Ouais. Ça roule. Demande de place de modération terminée. Ah, demande de place terminée. Salut Anward 32. Ouais, bah là on a calmé le truc parce que j'ai un peu perdu le flow. J'ai pas l'habitude. On va retourner au bureau de vote. Manger un bout après, hein. Mais moi au dos je vais modérer. Normalement on fera ça cet après-midi les gars, les modérations etc. Je vous l'ai dit, je fais ça ce midi, après que j'ai mangé je m'en occuperai. Merde, je suis passé à côté quoi. Fais chier, je vais te faire le tour. Merci Snow Airsoft, ça fait super plaisir. Super plaisir, merci pour ton don de 5€, ça fait super plaisir. Merci, hein, t'es pas obligé, hein, sérieux. Merci beaucoup Snow Airsoft, bienvenue à toi. T'as même pas dit bonjour dans le chat, direct t'es arrivé comme ça quoi. Super sympa de ta part en tout cas. Je vais essayer de checker ton petit message parce que je l'ai perdu, j'ai pas eu le temps de le voir. Il était pas assez gros sur mon. Faut que je change ça. Alors, tu m'as dit quoi de beau, mon grand Snow? Continue comme ça, ma poule. Un petit coup de boost, bah, ça fait super plaisir, Snow Airsoft. Merci, ça fait plaisir que ça te plaise.
Merci à toi. Dommage que j'ai pas un PC pour jouer ce mode. Bah ça va, après c'est pas non plus des PC de ouf qu'il faut. Bonsoir. Bête, cadet. Ah c'est bah, bonsoir. Oui, je le jure, vous avez pas reconnu. Bah, je m'excuse si je vous ai un peu mal parlé tout à l'heure. Je suis un peu chafouin en ce moment. Bah y'a pas de soucis, tout le monde peut avoir un peu le sang chaud, ça arrive. Mais bon voilà, moi... Ouais, on va dire quoi, il est plutôt brûlant le sang. Ça arrive, ça arrive. Y'a pas de problème, non, mais on en voit tous les jours, les gens sont peut-être à bout de nerfs, etc. En ce moment, c'est les élections. On est compréhensible quand même, c'est pour ça qu'après, je vous ai pas non plus mis au taquet d'amende, quoi. C'était juste pour vous faire comprendre que... Ah mais j'ai bien compris que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de compréhensif et de calme, quoi, en fait. Ah, mais monsieur Legend, de toute manière, moi, voilà, j'offre toujours une chance. Présenter mes excuses pour ça. Bah, c'est super de votre part de faire ce geste. Merci à vous. Bonjour monsieur. Merci à vous aussi. Bonjour. Monsieur Le Santos. Comment ça va? Ah bonjour monsieur Legend. Le mec qui présente ses excuses. Ah ça va, nickel, nickel. Vous venez voter pour vous-même? Moi force pas à demander de mon aspirer de bois et calache en bouteau. Je sais pas, honnêtement, il y a de très beaux candidats, je suis en fâche. Vous voulez pas voter pour Ferguson? Attendez, on essaye de voter pour l'élire un président, pas pour l'élire un absent, falsément. Ah, il a pas été absent, Ferguson, il a dit qu'il ferait baisser les prix en ville, il l'a fait. Nous, il nous a promis des nouveaux camions ou des camions, enfin, du moins un contrat avec le Los Santos Custom pour pouvoir améliorer salut, un peu le les moteurs, parce qu'on se traîne la savate à 20 à l'heure. Ah, mais monter. des gens qui il a commencé à se montrer écoutant au niveau de la population à partir du moment où. Où le meeting avait annoncé les différents points de mon programme, falsement, oui, il a voulu prévoir tout cela et il a fait les choses que j'avais. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur De Santos. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, dès le premier jour où je suis arrivé en ville, monsieur Ferguson est venu à ma rencontre. Hein. Monsieur Cooper, ah, on était témoin, mais il était moi, là. Monsieur Ferguson, je me demande s'il a pas essayé de m'éviter parce que je n'ai jamais eu la chance de le croiser, c'est pour vous dire. Ah bah, peut-être je suis de l'eau dangereux pour lui, tu vois. J'étais mineur d'ailleurs, et il est arrivé sur le pont au chantier là. Bon, on va pour refourguer le cuivre et tout là pour les gars du bâtiment. Et il est arrivé avec sa grosse limousine, avec monsieur Cooper, avec un Rouskoff. Et il était très aimable et tout. Ah, bonjour monsieur. Oui. Je dérange bonjour, peut-être. Bonjour monsieur Holka. Ah, attendez, je vais voir mon employé. Il est sympa, Dos Santos quand même. Ouais, je sais pas, c'est une des premières fois que je lui parle. Monsieur Legend, je vous donne un peu de sous, vous pouvez aller me chercher à boire ou pas? Ah, c'est bon, je vais vous le prendre. Enfin, je vous le donne tout de suite si vous voulez. Tenez. Ah, je vais bien prendre à boire et bon, la livraison. Alors, ça se passe bien le bureau de vote? Pas trop d'abstention? Non, pour l'instant. Bah, apparemment, j'en ai fini à tout le monde. Herman. C'est vous êtes généreux. Et merci pour le follow, Anionly Babies. Non, taux d'abstention, non, ça va. Il y a déjà une cinquantaine de votants, je crois. Ah, d'accord, c'est pas mal déjà. Ouais, ça se déroule bien. Snow Airsoft, ça en va, vrai, si un grave, je vous demande, t'es obligé de poster une candidature. Bah, je vous en prie, monsieur Cooper. C'était pas la peine de me donner de l'argent. Surtout pour vous ordonner à Walker, mais bon. Bah, je sais pas, Walker est passé. J'avais envie de lui enfiler. C'est lui qui reprend cet après-midi, il a des chances qu'il se modérateur. Il a fait ça, c'est pas déjà en fait, gaffe. Non, les gars. Jean Pignouf. Il a dit quoi? Je crois que vous avez parlé un peu trop fort. Ah, hein. J'ai pas très bien compris. Il a dit, il agresse un peu les gens, faites gaffe. Non, j'ai dit c'est de la cristalline, c'est pas de l'évian, en fait gaffe. Ah putain, merde, j'ai rien compris. Ah bah désolé, excusez-moi. Et quand je vous dis que les sièges à l'intérieur c'était pour vous parce que vous faisiez vieux, c'est pas pour rien. Ah bah oui, bah effectivement. Non mais je vous crois. Merci pour le follow. Je suis désolé là. Putain, y'a difflammation quoi. Ouais, j'appelle ça un lapsus, mais bon. Ouais, mais bon, j'ai quand même insinué que vous disiez des choses exemple sur mon dos. Toi aussi sur le follow. C'est pas mon cas, c'est pas mon genre, monsieur, vous le savez. Bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça va, ça s'est calmé, monsieur White? Oui, ça s'est calmé. Braquage et tout là? Non, non, ça s'est calmé d'un coup là. C'est assez tranquille, c'est redevenu tranquille, je suis venu un peu dans le coin. On a parlé un peu avec monsieur Legend. Oui, ils ont fait leur. Ouais, ils faisaient sa cristalline. Non, mais j'ai présenté des excuses. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Des choses. Non, franchement, il y a c'est rare, hein. C'est appréciable. Vous avez voté pour qui, monsieur Santos?
Ah bah écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le gendre, j'ai hésité, ça, parce que honnêtement, il y a des noms, attention, bon, Ferguson, ça c'est quelqu'un, non, enfin, chez moi, parce que bon, on voudrait un président un peu plus à l'écoute, mais bon. Mais non, écoutez, on va bien voir, ça, on attend de l'âge. Sinon, monsieur, ah non, il a commencé à changer dans les derniers jours. Il a commencé à changer dans les derniers jours uniquement, hein, parce qu'il avait peur, hein, forcément, hein, mais bon. Bonjour monsieur De Santos, c'est une des premières fois que je vous vois, c'est quoi votre politique? Parce que j'ai pas trop suivi les actualités moi. Ah moi la politique que j'avais c'était surtout pour les petits travailleurs et les petites sociétés afin de les soutenir. Parce que bon voilà, on sait que très bien que les plus grosses entreprises se font encore plus d'argent que les petites. Donc je pensais voilà principalement. Merci pour les follows, taxer les grosses entreprises pour aider les petites entreprises à clandir et à se créer. Okay, bah, vous faites comme nous, monsieur De Santos, faut embaucher hein. Nous on embauche et on embauche, mais bon, attendez. C'est combien dans votre boîte? Nous on est près d'une vingtaine hein, quand même. Bah non, je crois qu'on est 15. Bah le souci c'est que nous on est beaucoup, mais avec la locale c'est pas facile. Bah c'est pareil pour nous, mais au moins comme ça l'entreprise elle tombe tout le temps, il y a de l'argent qui rentre tout le temps. Honnêtement ça va, mais bon appeler, peut-être que j'ai peut-être déplé le quiche un petit peu compliqué. Disons que les gens s'imaginent le joint de les taxis comme ça, alors que je demande simplement un casier du judiciaire level, genre, c'est bon. Hein, donc, la blague, le mec. Pareil pour nous. On va peut-être faire une exception pour un gars parce qu'il avait été pris pour vol de voiture. Il a payé sa dette, il m'a dit 50 000 balles. Je lui ai dit, ah ouais, ça fait mal. Ah, ça fait mal, pour le coup, il a jamais recommencé. Et il m'a dit que, moi, nous, tout ce qu'on veut pas, c'est des mecs qui font dans le business, tout ça, quoi. On veut pas de petites frappes, là, dealers et compagnie. On veut pas de ces gars-là. Ah, c'est pareil ici, hein. Nous c'est pareil chez les taxis, voilà. Mais bon. Ça marche pas comme ça, non, ouais, ça marche. Non, vu qu'on fait pas. Je veux pas de cette merde dans mon entreprise, moi, donc non. Bah, ouais, comme on dit, on mange pas de ce pain-là. Ah, tout sinon, à fait, tout à fait. Monsieur De Santos, j'avais une petite question pour vous. Oui. Vous avez beaucoup d'employés féminins? Inchel. D'accord, vous pourriez me donner son nom parce que je lui ai parlé tout à l'heure et j'ai complètement oublié de lui demander son nom pour la recontacter. Ah, nouveau, il va me faire rendez-vous. Non, c'est pas du tout ça, c'est professionnel, les gars, c'est professionnel. Nouveau, moi, je le connais son nom. J'ai pas mis son nom la page où vous le dites, monsieur. Ah, voilà, je suis mal exprès, voilà, les esprits mal tournés. Voilà, oh, voilà. On vous voit venir. Non, ça s'en va. Eh, Cadet, tu veux que j'appelle un taxi? Non, ça ira. Non, c'est franchement, non, c'est juste pour une affaire. Moi, si vous voulez, ouais, voilà, appelez un taxi, ça vient dans la direct, vous, voilà, y'a pas de problème. Je voulais juste son nom, son numéro. Son témoignage. T'as vu faire le coup de la panne, ça marche bien. Témoignage non, mais que je vous lâche là, elle est dans l'entreprise que depuis hier, hein, donc. Oui, non, mais c'est qu'elle a. Comment ça s'appelle hier soir, apparemment, elle a eu des petits soucis près de l'Unicorn of Love, donc voilà. Si j'avais. Ah, ouais, elle m'a dit qu'elle s'était fait tirer dessus à l'instant. Oui, voilà, donc j'ai pris un peu sa déposition et malheureusement, elle est repartie sur un appel et j'ai oublié complètement de lui demander son nom. Ah bah attendez, si vous voulez, hein, moi je les contacte radio pour lui demander de venir, hein, y a pas de problème. Oh non, pas spécialement pour venir, là j'ai pas plus d'informations que depuis qu'on s'est parlé ce matin, mais je voulais juste son nom au cas où que j'ai besoin de la recontacter et de la joindre. Ah oui bah d'accord, je suis chez madame Elina Do. Comme une goutte d'eau mais avec un X. Voilà, c'est tout à fait ça, et sans l'accent, c'est le coffre. Oui, sans l'accent. Super, bah je vous remercie beaucoup monsieur De Santos. Ah bah écoutez, c'est normal d'aider les fâcheux de police, hein. Accent circonflexe, y'a pas d'accent circonflexe, oh. Non mais c'était pour voir si vous suivez, monsieur le gendarme. Ah, ce serait bien que je sois bon. D'accord. Ok, merci. Bah sympa, la bonne ambiance, quoi. Bon allez, messieurs, moi je vous laisse. Ah, bah faut voir le plan comme ça, monsieur le gendarme. Allez, passez une bonne journée, bon courage pour votre élection. Bonne journée, bah écoutez, je me lâche, mais bon, vous savez, hein. Ah, on sait jamais. Vous êtes confiant, non? Ah, vous savez qu'en fonction des dernières histoires, et puis quand on commence à savoir de toute la chose qui se passe, vous croyez moi que l'élection, je la sens pas du tout, ça. Il a de l'amour dans la maison. Et puis des candidats, j'ai vu qu'il y avait pas mal de candidats qui s'étaient retirés et qu'il y avait... Dans les parties... Où il se situe dans les parties gauche-droite? J'ai pas tout suivi, putain. Bah nous, on va rentrer au poste, parce que là, je vous avoue que j'ai la dalle. Donc, je vais aller manger. Je vais lâcher le stream là.
on reprendra tout ça cet après-midi juste après le restart serveur. Parce que oui, j'ai quand même une vie à côté. J'ai ma dame à la maison, etc. Donc, on rentre au QG. Après, s'il se passe un truc entre le temps qu'on arrive au QG, ben on le fera. Mais sinon, on rentre au QG, on fait la fin de service. Et je vous dirai à 14h. Mais merci Cyberkilian, merci pour le. Pour le like de ce live. C'est le but que vous aimez. Je vous oublie pas, Discord. Vous inquiétez pas, Discord, je ne vous oublie pas. Tous ceux qui doivent me parler Discord, venez en vocal et envoyez-moi les messages. La notification, je l'ai, je vais vous répondre tout ça après. Ça marche ? Genre, fondation front de gauche. Putain, mais t'es con, Erwan. Bah, ce feu ne termine jamais, je suis désolé, mais. Bah, d'accord, bon, je le passe, t'es, je passe au vert. Ce serait sympa une promo, ouais, ce serait cool. Wap, 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 wap. Putain, mais il est trop con, ce PNJ de merde. On va aussi laisser notre place pour que les gens puissent aller voter. On va aller poser la thune, je sais pas ce que vous en pensez. Tant qu'on est devant. Ça brûle les feux, j'avais mes gyrophares. C'est tellement bâtard, tu vas poser ton argent, y'a un mec à côté quoi. C'est très calme la guerre, file, c'est les gilets jaunes. Ouais, t'as vu l'allure ou pas? L'allure ou pas? Ouais, bah c'est le gilet jaune de KD, tant que t'as pas fait tes preuves, bah tu restes avec ton gilet jaune. Ouais, oh putain, j'ai jamais pas vu qui s'est arrêté. My bad. C'est qui dedans? Ah bah c'est la nana. C'est la nana. Gros, la voiture cassée, mais t'as rien vu du tout. Tu vois, je mets des gyrophares, je passe, pas de problème, tout va bien. Voilà. Hop hop hop, on va se foutre dans le comico. Bibi l'assurance, on est au state, ils s'en foutent des assurances. On est au state, ils s'en foutent des assurances, on est jaus. Alors attendez, je vais checker un truc. Pop, pop. Voilà, voilà. Eh bien les amis. On va se quitter sur cette affaire pour le moment. Je n'oublie pas de... putain, on va d'abord sauvegarder ses positions, on va se faire niquer sinon. Position sauvegardée. J'oublie pas de passer sur Discord pour ceux qui voulaient me parler. Et je dis... attends, je vais annoncer ma fin. Lincoln 27 10 8. Reçu, bonne journée. Voilà, la fin de service est fait. Donc je vous disais, vous êtes passé où? Vous êtes là. C'est Windows combien? C'est Windows 7. Le View Space pour plus de RP. Ah ouais, mais le View Space, les gars, quand tu conduis tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors attendez, je vais envoyer le Discord. Le Discord de mon asso, qui sera... J'ai les droits dessus, donc je peux vous envoyer l'invitation, y a pas de souci. Le voilà. Alors, je serai sur ce Discord là si vous le souhaitez. Y'a pas de souci. Et j'oublie pas de répondre à vos messages en privé. Y'a pas de problème. Je vous dis à tout à l'heure, 14h, ce sera peut-être avant. Je vous dis, peut-être qu'à 13h on va reprendre hein, pour une petite heure avant le reboot, si jamais il y a une place. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure et à tout de suite pour ceux qui vont me voir sur Discord.
Allez, ciao, à tout à l'heure. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?